ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ceci étant dit, tout d'abord, je vous remercie encore une fois, Inch'Allah, pour votre présence ici, qui prouve que vous aussi, Inch'Allah, vous espérez, comme nous, que ce séjour se passe de la meilleure manière possible, Inch'Allah. Je vais vous faire un résumé global, non détaillé, de ce qui va se passer là-bas, Inch'Allah. En commençant par le départ à l'aéroport de Paris. Pourquoi est-ce que je vous épargne les détails? Parce que les détails, votre chef de groupe va vous les donner au fur et à mesure. En règle générale, on vous donne les détails qu'il faut connaître pour le jour d'après. Parce que si je vous donne tous les détails maintenant, déjà on en aura pour toute la nuit, et en plus, trop d'informations tue l'information. D'accord? Mais je vais vous donner une image globale de votre séjour en Charente-Terre. Donc vous, ici présent, vous êtes tous inscrits dans la formule qu'on appelle la formule confort court séjour. Ce qui veut dire que vous n'irez jamais, Inch'Allah Ta'ala, dans un hôtel à Al-Aziziya, contrairement à toutes les autres formules. Donc vous, Inch'Allah Ta'ala, on va vous donner, vous avez normalement tous reçu un mail vous donnant les détails de votre, les informations de départ. Vous donnant les détails concernant les informations de départ. Qui est votre chef de groupe, vos vols, votre vol, à quelle heure est-ce qu'il est, votre escale, elle est de combien de temps, comment dire, le rendez-vous, il est à quelle heure, 4 heures avant le décollage, et où se trouve plutôt, excusez-moi, le lieu de rendez-vous. Donc toutes ces informations de départ, enregistrez-les bien, écrivez-les. Mettez-les en mode dans vos smartphones, etc. Apprenez-les par cœur. C'est très important. D'accord? Il faut être ponctuel. Si vous ratez l'avion, ça sera pas notre faute. D'accord? Donc, 4 heures avant, Inch'Allah, vous allez vous rendre à l'aéroport. À l'aéroport, vous allez voir votre chef de groupe ou, pour certains, un accompagnateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certains parmi vous peut-être qui auront un chef de groupe sur place, mais qui va se faire accompagner par une autre personne de l'équipe. Pourquoi? Parce que par exemple, dans votre vol, dans le vol de certains parmi vous, par exemple, il se peut qu'on n'ait pas trouvé assez de place pour mettre le groupe en entier. D'accord? Donc on a mis seulement une partie du groupe. Ce qui veut dire qu'il se peut que pour certains, vous ayez un chef de groupe pendant le vol, mais sur place, vous avez un autre chef de groupe. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important à connaître. Mais votre chef de groupe ou accompagnateur qui va vous attendre à l'aéroport, Inch'Allah, il va vous remettre le badge qu'il faut mettre au niveau du collier qu'on vous a donné. Il va, Inch'Allah, aussi vous donner le bracelet qui va servir à vous identifier, sur lequel il y aura un code QR ou un code barre. Ensuite, Inch'Allah, vous dirigerez vers l'enregistrement des bagages. Votre bagage, bien sûr, autour de votre bagage, il y aura la cendre qu'on vous a donnée, très importante, serrez-la bien.
préfère le dispatch en Ta'ala, mais aussi ne l'asserrez pas trop. Parce que si vous l'asserrez trop, elle risque de s'ouvrir. Vous savez, c'est quelque chose qui se plie comme ça. Faites-la passer aussi la sangle par la poignée, Inch'Allah Ta'ala, pour éviter qu'elle glisse le bagage. Une fois que vous avez donné votre bagage, Inch'Allah Ta'ala, ensuite, vous aurez votre bagage kabyle ou pas. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas voyager avec un bagage kabyle. Mais normalement, vous avez tous un bagage kabyle. Pourquoi? Parce que il faut absolument que vous ayez la bidiha et vos sandales. Vos sandales, soit vous les mettez dans le sac si ça vous gêne de les mettre pendant le premier mois. D'accord? Et n'oubliez pas aussi les médicaments. Pour ceux qui prennent des médicaments, bagage, kabyle et non pas bagage, on souffre. Une fois que vous allez enregistrer vos bagages, vous allez donc, à l'enregistrement, vous allez présenter votre passeport. Il n'y a plus de billets d'avion. C'est fini les années 80, les années 90. Les billets d'avion n'existent plus. Maintenant, on vient avec un passeport et directement, on vous imprime les cartes d'embarquement. Les cartes d'embarquement, ils vont vous en donner deux. La première carte d'embarquement vous servira pour le vol entre la France et la Turquie. Et la deuxième carte d'embarquement va vous servir pour le vol entre la Turquie et l'Arabie Saoudite à l'aéroport de Jeddah. Donc gardez bien les deux. Les deux vous seront demandés. Quand vous les perdez, franchement, en toute franchise, c'est galère de faire une certaine... Il y a une certaine démarche à faire lors de l'escale et qui fait perdre du temps. Alors que le temps, il faut bien gérer. D'accord? Ensuite, Inch'Allah, une fois que vous avez enregistré vos bagages, vous allez prendre vos cartes d'embarquement. Sur vos cartes d'embarquement, vous avez tous, je pense, déjà pris l'avion au moins pour aller au bled. Sur vos cartes d'embarquement, ils vont vous dire où est-ce qu'il faut aller, dans quelle salle d'embarquement. D'accord? Après, vous guides sont là pour vous guider, pour vous dire où se trouvent les salles d'embarquement, il faut les suivre, Inch'Allah Ta'ala. Si vous voyez qu'il y a des personnes âgées qui ont du mal un peu à s'orienter, eh bien, aidez-les, hein, surtout vous les jeunes, Inch'Allah Ta'ala. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire quand je suis à l'enregistrement, quand je vois qu'il y a un couple de personnes âgées, ou une personne âgée ou plus, mais qui ne sont pas accompagnées d'une personne jeune, eh bien, je les mets de côté, et dès qu'un jeune enregistre, je demande à ce jeune de les accompagner jusqu'à la salle d'embarquement. D'accord? Parce que moi, je suis toujours le guide est toujours le dernier à rentrer. La dernière à passer la PAF, le dernier à passer le contrôle et le dernier à rentrer dans la main. Parce que c'est une procédure. Pour éviter de laisser quelqu'un derrière avec un problème. Parce qu'une fois qu'on a passé la PAF, on ne peut plus faire marche arrière. D'accord? Et une fois qu'on est rentré dans l'avion, on ne peut plus faire marche arrière non plus. D'accord? Et nous, on a pour habitude, c'est une de nos procédures, c'est qu'on rentre en dernier dans l'avion, ensuite on demande au personnel qui se trouve devant l'ordinateur, qui ont scanné les cartes d'embarquement, on leur demande qui sont les passagers qui sont en retard. Et on les compare avec notre liste. Pour savoir s'il y a quelqu'un qui est dans la zone du duty-free, peut-être dans un restaurant, peut-être en train de dormir dans un coin, etc. D'accord? Comme ça, on pourra l'appeler directement, ou le chercher éventuellement. D'accord? Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, donc, on est dans la salle d'embarquement. La salle d'embarquement, on rentre dans l'avion. Dans l'avion, on sort à l'aéroport. À l'aéroport, vous restez bien avec votre chef de groupe jusqu'à ce qui vous ramène, Inch'Allah Ta'ala, dans la deuxième salle d'embarquement pour le deuxième vol. Une fois dans la salle d'embarquement en Turquie, s'il vous reste beaucoup de temps, vous pouvez aller manger, prier, etc. Mais toujours, restez ensemble. D'accord? Et surtout les personnes âgées, si jamais vous faites l'escale, je ne sais pas, pour certains, ils vont faire une escale dans l'aéroport d'Antalya, d'autres Sabiha et d'autres Istanbul. L'aéroport d'Istanbul, moi j'ai l'habitude, et j'ai déjà fait aussi l'aéroport de Sabiha. C'est des aéroports qui sont grands. Une personne âgée qui n'a pas trop le sens de l'orientation, elle risque de se perdre. Donc, les personnes âgées, restez bien avec votre chef de groupe. Tout le monde doit rester avec son chef de groupe. D'accord, Inch'Allah Ta'ala? Ensuite, bien sûr, on va profiter de l'escale pour prier s'il y a des prières à faire. D'accord? La gérance de la prière, c'est le guide qui va vous dire. Il va vous dire, bon, c'est l'heure de la prière de Dhuhr ou de l'Asr, on va faire Dhuhr ou l'Asr dans la salle d'embarquement, ou dans l'avion, ou à l'escale. C'est lui qui va gérer ça, Inch'Allah, à les heures de prière. D'accord? Il ne faut pas en faire qu'à sa tête comme ça et chacun il fait des groupes quand il veut et où il veut. C'est, ça aussi, ça rentre dans l'organisation. D'accord? Votre chef de groupe, comme vous, il veut faire la prière à l'heure. Il ne faut pas vous inquiéter, Inch'Allah Ta'ala.
Pendant l'escale, on va en profiter pour, donc, pour mettre les habits d'Ihram, Inch'Allah Ta'ala, et prier, bi'idhnillah aussi. Ensuite, vous allez monter dans l'avion pour le deuxième vol. Et à un moment donné, votre chef de groupe va vous dire qu'il faut rentrer en état d'Ihram. Avant, en fait, en règle générale, c'est à peu près 40 minutes avant l'atterrissage qu'on peut se mettre, quand on passe sur un miqat en avion, c'est 40 minutes à peu près avant l'atterrissage. D'accord ? Une heure avant, il va vous dire que vous préparez, si jamais quelqu'un est en train de dormir, ou etc. Il faut savoir qu'avoir les ablutions au moment où vous rentrez en état d'Ihram, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. D'accord ? Si vous avez les ablutions, c'est bien, c'est mieux, c'est recommandé. Mais si vous ne les avez pas au moment, il faut le savoir, hein, parce que c'est vrai, peut-être que certains parmi vous pensent que c'est obligatoire et que justement son rite va être annulé parce que, ou pas valide parce qu'il n'avait pas les ablutions. D'où l'importance de la science et de rechercher la science. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir quels sont les actes qui sont obligatoires et ceux qui ne le sont pas. Je rentre en état d'Ihram, je sais que je n'ai pas les ablutions, je vois qu'il y a une grande file d'attente au niveau des toilettes, je me dis c'est pas grave. Je vais rentrer en état d'Ihram quand même, je ne panique pas. D'accord ? Et donc, Inch'Allah, vous êtes à 40 minutes avant l'atterrissage, vous allez entrer en état d'Ihram. Comme va vous expliquer le frère Bouzed en disant la Baykullah, on a du Ramadan. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire la Tébia, la Baykullah, on a Bayk. Le côté religieux, je laisse au frère Bouzed, Inch'Allah, vous êtes. Ensuite, vous allez atterrir à Jeddah, dans l'aéroport de Jeddah, qui est l'un des plus grands aéroports au monde. Là, il va falloir vraiment bien rester avec votre chef de groupe, Inch'Allah Ta'ala. La première étape, en sortant de l'avion, ils vont vous mettre dans une grande salle climatisée. Dans une salle climatisée, avec des sièges en fer. Dans cette salle, l'année dernière, pas les années précédentes, une personne est venue vérifier nos carnets de vaccination. Donc prenez avec vous vos carnets de vaccination. Ensuite, ils vont nous donner les fiches de police qu'il y a à remplir. Vous allez chacun prendre une fiche de police et votre guide va vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre comme information. Parce qu'il demande beaucoup d'informations, mais en fait, il n'y a pas besoin de les écrire toutes. D'accord ? Et parfois, on ne comprend pas trop qu'est-ce que c'est et où se trouve l'information. Parfois, il y a des anciens qui ne comprennent pas c'est quoi le numéro de vol. D'accord ? Et bien ça, votre guide, il est là pour vous expliquer. C'est pour ça aussi qu'il est important que vous ayez un stylo. Et avec votre stylo, Inch'Allah Ta'ala, prenez aussi un marqueur. Le marqueur, il vous servira pour le retour, pour écrire sur votre carton qui contiendra la bouteille de zinzin, votre nom, en gros. Pour que dès que vous arrivez à l'aéroport, au retour à Charles de Gaulle, vous voyez de loin votre bouteille de zinzin, qui est dans un carton. Ensuite, donc vous serez dans une salle climatisée, on va vous donner un stylo. Vous allez prendre un stylo, on va vous donner une fiche de police, vous allez la remplir avec votre chef de groupe et vous allez attendre. Ensuite, il y a un responsable de l'aéroport qui va venir nous dire que c'est à votre tour d'aller à la RAF. En fait, je vous explique qu'il y a tellement de monde qui arrive en même temps qu'ils sont obligés de gérer le passage à la RAF pendant le rêve. Donc, bien sûr, ça va dans l'ordre chronologique. Donc, s'il y a 20 groupes qui sont arrivés avant nous, eh ben, les 20 groupes passeront à la RAF, ça sera à notre tour. D'accord ? C'est eux qui gèrent. Il faut patienter. Là, ça va être facile de patienter puisque la salle, elle est climatisée. Il y a des toilettes, etc. Ensuite, on va passer à la PAF. À la PAF, Inch'Allah Ta'ala, au moins un des chefs de groupe, aidé peut-être aussi avec certains pèlerins parmi les jeunes, passeront la PAF en premier pour rassembler les bagages de tout le monde. Et ça sera facile de les rassembler grâce au centre qu'on vous a distribué. D'accord ? Et vous imaginez, vous, ça, ce qui veut dire que quand vous allez sortir de la PAF, immédiatement, vous allez de loin repérer vos bagages. Parce qu'il y aura énormément de bagages. Mais grâce à ces sangles-là, ça va nous faciliter le travail, Inch'Allah Ta'ala, que ce soit pour vous ou pour nous, Inch'Allah Ta'ala. Donc, à la PAF, vous allez présenter votre passeport, ils vont regarder, visa, etc. Ensuite, vous récupérez votre bagage avec la sangle. Parfois, il arrive, pas dans la machine, parce que vous savez, parfois, les bagagistes, ils maltraitent les bagages au point que la sangle, elle pourrait sangler. Sachez-le. D'accord ? Donc, si vous ne voyez pas votre bagage au niveau des bagages sanglés, eh bien, regardez les autres bagages. Normalement, vous le trouverez. Ça me rappelle quelque chose. À Paris, à l'aéroport, quand ils vont vous donner vos cartes d'embarquement, ils vont vous donner aussi des autocollants avec des codes barres.
C'est très important, il faut les garder. Parce qu'au cas où vous avez perdu vos bagages, eh bien, ces autocollants-là nous permettront à l'aéroport, à la compagnie aérienne, Turkish Airlines, de retrouver vos bagages plus facilement. Parce que le code barre, il correspondra au code barre qu'il y a sur le bagage. Votre nom, votre prénom, bon, ça peut aider, mais ce n'est pas comme le code barre. Le code barre, c'est clair. D'accord ? Et immédiatement, avec le code barre, ils sauront où se trouve le bagage et quel est le point qui n'a pas passé. Et après, Inch'Allah, la Turquie se débrouillera pour vous ramener votre bagage, Inch'Allah, à l'aéroport de Jeddah. Peut-être même jusqu'à l'hôtel. Ou à une agence Turkish Airlines à Mecca. Ensuite, donc, Inch'Allah, dès que vous avez passé la porte, vous avez récupéré votre passeport, excusez-moi, vos bagages. Ensuite, vous avez le contrôle sécurité, donc vos bagages vont passer au rayon X. Et là, vous allez sortir de l'enceinte, on va dire, de la partie couverte de l'aéroport. Mais à l'extérieur, il y a des tentes géantes. Pour qu'au cas où vous arrivez le matin, la journée, vous n'ayez pas le soleil qui vous tape la tête. C'est des tentes géantes qu'il y a. Mais cette partie-là, elle est plus climatisée. C'est à partir de là que vous allez commencer à suer pour la première fois. Même si vous arrivez à minuit ou à 1h du matin, il fait pratiquement 38-40 degrés la nuit. Et il fait à Jeddah très humide. Donc c'est vraiment un climat très très humide qu'il y a là. Alors, quand vous allez passer les rayons X, c'est Charles Hotel, les bagages. Vous allez voir un petit guichet comme ça qui va prendre votre passeport, il va scanner votre visa, d'accord, ou plutôt une étiquette que la PAF aura mis sur votre passeport. Bref, lui c'est quoi, vous lui donnez son votre passeport, il va scanner quelque chose dans votre passeport. Une fois que vous allez sortir, donc vous êtes avec votre bagage, il y a une personne qui sera là et qui va vous demander d'où est-ce que vous venez. Vous dites on vient de France. Il va vous dire à ce moment-là, vous allez patienter dans la zone, il va vous donner une couleur et une lettre. Nous, les chefs de groupe, on se débrouille pour aller le voir avant lui. Avant que vous le voyez, nous, on va le voir et on lui demande. Et à cet endroit-là, nous, on sera là pour vous attendre et vous dire, voilà, il faut aller là-bas et patienter. Juste après, vous allez voir des chariots sur lesquels il faut mettre vos bagages. Il faut mettre vos bagages et ensuite vous allez dans la zone d'attente. Et ces chariots-là vont vous rejoindre plus tard, juste après. D'accord ? Dès que tout le groupe aura mis ses bagages dans les chariots, et bien les chariots vont être tirés jusqu'à la zone d'attente. C'est pour vous éviter de traîner votre bagage sur 200 ou 300 mètres. D'accord ? Sur l'aéroport, il est grand. Une fois, écoutez bien, c'est très important, une fois que vous êtes dans la zone d'attente de couleur avec une lettre spécifique, restez bien, bien, bien regroupés. Chaque groupe, il s'assoit dans la même zone. D'accord ? Le groupe de tel chef de groupe, le groupe de chef de tel chef de groupe, tous dans la même zone. Je vais vous dire pourquoi, c'est très important. Parce que à partir de ce moment-là, va commencer votre attente, qui risque de durer, écoutez bien, jusqu'à 10 heures. 3 millions de personnes qui partent dans la même période, à peu près. Donc eux, ils évacuent dans l'ordre chronologique. S'il y a 50 groupes qui sont arrivés avant nous, ils vont évacuer les 50 groupes et ensuite ça sera notre tour. Dans la zone d'attente, on va attendre quoi? On va attendre qu'on nous mette dans un bus pour aller à notre hôtel. Donc on va attendre peut-être une demi-heure, peut-être une heure, peut-être 2 heures, peut-être 10 heures. D'accord? À un moment donné, il y a quelqu'un de l'aéroport qui va venir nous voir, le responsable qui met les gens dans les bus. Il va aller voir le chef de groupe, il va lui dire, ton groupe est prêt? Tu peux le rassembler là maintenant, tout de suite? Si le chef de groupe lui dit oui, et que vous êtes déjà là, alhamdoulilah, eh bien en 5-10 minutes maximum, le groupe sera prêt. Et là, il vous mettra dans le bus. Mais si votre chef de groupe met 1 heure, 2 heures pour aller vous chercher partout, alors qu'il n'y a même pas de téléphone, alors là, je vous promets que votre attente, ça va plus être du 10 heures. Là, ça va être du 11h, du 12h, du 13h, du 14h, peut-être à cause de 2 pèlerins, ou peut-être à cause d'un seul. C'est pour ça, restez regroupés. Il y a des toilettes partout, à côté de la zone où vous allez attendre, il y a des toilettes. Il y a une moussanda pour faire ça là. Il y a des petits restaurants à droite à gauche, mais les restaurants, n'y allez pas pour manger. Prenez emporté et remettez dans la zone. D'accord ?
acheter une boisson, acheter de l'eau, acheter de quoi manger, et revenez dans la zone. Et patientez. N'allez pas par votre chef de groupe et dire, alors c'est quand qu'on part, alors c'est quand qu'on part. On partira quand le responsable viendra me voir, il me demandera, il me dira, c'est à notre tour. Ça peut durer longtemps. Ces informations-là, c'est important que vous les sachiez pourquoi. Pour éviter que vous perdiez patience. C'est vrai, on peut perdre patience. On a vu nos propos humains créer des réunions d'informations, on a vu des gens jamais, qu'est-ce qu'on attend, j'en ai marre, je suis malade, etc. Qu'est-ce que c'est ça? Normalement, quand tu es malade, quand tu as une maladie grave, tu ne peux pas patienter, etc., tu viens quoi avec? Là, tu es informé. Il va falloir patienter. D'accord, tu vois? Que le responsable des bus nous aura mis dans un bus, Inch'Allah, vous allez voir qu'avant d'entrer dans les bus, il va récupérer les passeports à tout le monde. Et vous ne les reverrez plus qu'au retour, à Médine. Quand on rentrera dans le bus pour aller à l'aéroport de Médine, et bien là, ils vous verront. Information importante, ne laissez, pour ceux qui ont des passeports étrangers, ne laissez pas vos cartes de séjour avec vos passeports. Car il est déjà arrivé que les Saoudiens récupèrent le passeport avec la carte de séjour et qu'ils perdent la carte de séjour. Et je vous promets que découvrir ça le jour du départ, ça fait mal. Ça fait très mal. D'accord ? Donc c'est votre carte de séjour. Une fois que vous n'en avez plus besoin, dans l'avion si vous voulez, quand vous êtes dans l'avion là, avant d'atterrir à Jeddah, prenez votre carte de séjour et mettez-la dans votre sacoche. Séparez votre carte de séjour du passeport. Mettre البطاقة تاع الإقامة تاع فرنسا، لا كارت دو سيجون. دونك خلوها معاكم دائما، لا كارت دو سيجون. باسبور غادي يديوه. وما يعطيكمش حتى الرجوع. يدخلوا في المدينة قبل الذهاب إلى المطار، إن شاء الله تعالى. دونك سا سي تري امبورتون، هذا مهم جدا. Ensuite vous allez monter dans le bus. Une fois dans le bus, Inch'Allah ou Ta'ala, vous allez vous diriger vers votre hôtel au Hilton Suite, à Mecca. Entre Jeddah et Mecca, il y a à peu près un peu plus de 100 km. Et pendant le Hajj, il y a des arrêts obligatoires, administratifs et autres. Par exemple, il y a un arrêt qui est obligatoire. En fait, les chauffeurs de bus, c'est des saisonniers. Donc ils viennent, parfois c'est la première fois dans leur vie qu'ils sont en Arabie Saoudite, donc ils ne connaissent pas les routes. Et en particulier les petites routes de Mecca. Vous imaginez comment c'est Mecca. Mecca là-bas c'est quelque chose de montagneux. Il y a des petites montagnes. Alors à un moment donné, on s'arrête dans une station, dans une aire, où une personne va monter dans le bus juste pour guider le chauffeur vers notre hôtel. D'accord ? Vous, votre hôtel, il est facile à trouver parce qu'il est juste à côté du haram. Donc il a juste à suivre haram, et après à un moment donné, il va falloir. Mais même autour du haram, il faut connaître exactement quelle route prendre. C'est pas n'importe quelle route qui mène à tous les hôtels qui sont autour du haram. Parfois la route, elle est souterraine pour certains hôtels, parfois même c'est au-dessus. Donc ça, il faut le connaître. Donc vous allez avoir certains arrêts, il y a des arrêts aussi pour vous donner une collation avec de l'eau de zenzen, etc. Il y a des arrêts administratifs. Vous pouvez profiter, si votre chef de groupe vous le permet, d'aller aux toilettes si c'est urgent. De faire la salade ensemble. Mais toujours demander la permission à votre chef de groupe. Et votre chef de groupe, normalement, il change en place le doigt à chaque fois que vous avez un arrêt et qu'il y a un pèlerin ou plus qui est sorti, de refaire complètement l'appel. Et non pas de compter les pèlerins, de faire l'appel. Parce que parfois le compte il est bon, mais les pèlerins ne sont pas les bons. Vous avez compris? Parfois, c'est des gens, des pèlerins, d'autres agences qui rentrent dans notre bus. C'est des personnes âgées qui ne comprennent pas. Ils voient un bus bleu, ils savent qu'il est descendu d'un bus bleu, ils rentrent dans un bus bleu. Ils s'assoient. Donc, on ne compte pas. On fait l'appel. Un tel, présent.
Tout le monde est présent, on ferme les deux portes, on part. Parce que je vous promets que c'est une catastrophe de laisser quelqu'un dans une aire de repos ou dans un des checkpoints. Pour les rechercher, ça va rendre le voyage très difficile. Après Inch'Allah Ta'ala, vous allez arriver au 8ème suite, Alhamdulillah, vous allez commencer à respirer, Inch'Allah Ta'ala. Vous allez faire le Hajj Tamattu, vous allez faire normalement la plus un Hajj. Votre chef de groupe avisera. Déjà votre chef de groupe. Avant de se séparer de vous, pendant le trajet entre Jeddah et Mecca, il va vous demander qui parmi vous veut faire sa Umrah tout seul, sans le groupe. Les jeunes, ou quelqu'un qui a déjà fait l'Umrah, ou des personnes âgées accompagnées de jeunes. Pourquoi je n'ai pas dit des personnes âgées seulement? Parce que franchement, des personnes âgées, à part si vraiment c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a le sens de l'orientation, on voit que c'est quelqu'un qui, alhamdulillah, il pourrait se débrouiller peut-être. Mais ça, c'est le chef de groupe qui décide. Moi, personnellement, si je vois quelqu'un, il est un petit peu perdu comme ça, et s'il est âgé, moi, je lui interdis carrément. Je lui dis, non, toi, tu vas faire l'amala avec moi. Si vous faites votre amala tout seul, vous partez quand vous voulez. D'accord? Arrivez là où il est tout de suite, inshallah, vous allez gagner vos chambres. Les bellman, c'est ceux qui savent, les bagagistes, ils vont prendre vos bagages. Soit ils vont vous les monter directement dans les champs, soit ils vont les laisser à l'accueil, il faudra aller les chercher. Ça, vous verrez avec votre chef de groupe, Inch'Allah. Mais je pense que la chose la plus probable, c'est que vos bagages vont rester en bas. Et que, en fait, une fois que vous montez dans votre champ, vous restez une demi-heure, une heure, vous redescendez, vous trouvez vos bagages, vous remontez. D'accord? Vous ne trouvez pas votre bagage, ne paniquez pas. Demandez à votre chef de groupe et. Votre chef de groupe, Inch'Allah Ta'ala, regardera Inch'Allah Ta'ala, où est-ce qu'il est votre bagage, est-ce qu'il est à l'hôtel, est-ce qu'on l'a laissé sans faire exprès à l'aéroport de Jeddah. Tout ça, soyez toujours attentif à vos bagages. Toujours, toujours attentif à vos bagages. Moi, je préfère dire à mes pèlerins, avant de monter dans le bus à Jeddah, je préfère leur dire, regardez qu'il y a votre bagage dans le bus, dans la soute ou en haut, parfois les mettre en haut, parfois les mettre dans la soute. Ou au moins, vous savez, quand à un moment donné, ils vont ramener le chariot où est-ce qu'il y a tous les bagages. Au moins, à ce moment-là, le chef de groupe, il dit au pèlerin, regardez qu'il y a bien vos bagages, regardez, regardez. Et tout le monde va regarder. Après lui, le chef de groupe, il restera à l'extérieur pour être sûr que tous les bagages ont été mis dans le bon bus. Parce que franchement, c'est frustrant d'arriver à l'hôtel et tu n'as pas ton bagage. C'est vrai ou pas? Surtout qu'après votre ramadan, vous n'aurez rien pour vous changer. C'est quelque chose de frustrant. Donc, soyez très attentifs. Vous et vos chefs de groupe, Inch'Allah Ta'ala, soyez très attentifs au bagage. Pour que Inch'Allah Ta'ala, pour éviter d'arriver à un hôtel sans les bagages. D'accord? Votre chef de groupe, il va vous dire, reposez-vous jusqu'à telle heure et on se donne rendez-vous à telle heure pour aller faire la ramadan. Ceux qui voulaient faire la ramadan tout seul, ils se débrouillent. Le haram est juste à côté. Ils partent quand ils veulent. Quand vous arrivez à l'hôtel, n'oubliez pas qu'il y a des choses qui vous sont interdites, puisque vous êtes en état de haram. Les rapports intimes, couper les ongles, couper les cheveux, etc. parmi les choses interdites. Les choses interdites, il me semble que le frère Bouzid, il les avait fait la semaine dernière ou pas encore? Il va les faire aujourd'hui, Inch'Allah. Donc ces choses-là qui annulent, excusez-moi, pas qui annulent, mais ces choses-là interdites pendant l'état d'Ihram, eh ben, il faut faire attention. D'accord? Quand on est à l'hôtel. Ensuite, donc, pour ceux qui voudront faire la ramadan avec le chef de groupe, rendez-vous à telle heure, je dis n'importe quoi, 22h. Vous soyez tous là à 22h. Réglez votre réveil. Chargez bien votre téléphone. D'accord? Au cas où, on ne sait jamais, on pourra en avoir besoin. Ensuite, une chambre à vous là, donc avec votre chef de groupe, vous allez faire votre ramadan et vous allez, à la fin, retourner à l'hôtel. Avant ça, vous serez pour les hommes, vous serez parti au chez coiffeur. Les femmes, dans vos champs, vous allez couper vos cheveux, une phalange de cheveux. D'accord? Le frère vous expliquera tout à l'heure comment couper vos cheveux, je t'en vais en. Et là, ça y est, vous sortez de l'état de sacralisation. Vous avez quelques jours pendant lesquels vous allez profiter de la mosquée sacrée. Jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah. Au 8e jour de Dhul Hijjah, vous allez rentrer de nouveau en état de sacralisation, mais aussi pour le Hajj. Donc là, vous n'allez plus dire la Bekhla Mabi Omar, mais vous allez dire la Bekhla Omar Hajj. D'accord?
Un bus va venir vous chercher, Inch'Allah. Votre chef de groupe, il va vous donner tous les détails. À quelle heure, de ci, cela. Mais il faut savoir une chose, qu'Allah fasse miséricorde. Les bus en Arabie Saoudite, c'est pas la RATP. En Arabie Saoudite, 8h06, ça n'existe pas. En Arabie Saoudite, 8h, il faut compter, tu donnes rendez-vous 8h à un chauffeur de bus, il faut compter peut-être 10h ou 11h, il arrive, Inch'Allah. On sait jamais, c'est comme ça. Ça fait partie de leurs habitudes. Voilà. La ponctualité ne fait pas partie, en règle générale, de leurs habitudes. Il faut rester patient. N'oubliez jamais, restez toujours, ayez toujours à l'esprit que vous êtes en état d'erreur. Et que vous voulez tous revenir, Inch'Allah ta'ala, avec un hajj maqboul, mais surtout un hajj maqboul. Donc, Inch'Allah ta'ala, le jour du hajj, le 8e jour du hajj, vous allez vous mettre dirigé vers la Qibla. Vous pouvez faire ça dans votre chambre, vous pouvez faire ça à l'accueil. Vous direz, votre guide sera là pour contrôler que vous l'avez bien fait. Labbayk Allahumma bi hajjati. Vous rentrez en état d'ihram, tabiya, labbayk Allahumma labbayk. Côté religieux, je vais vous expliquer. Ensuite, Inch'Allah ta'ala, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre vous allez prendre le bus jusqu'à Mina, au temple européen Mina. Là-bas, on va finir la journée, le 8e jour de l'Hijja, on priera dans les tentes, on mangera dans les tentes, puisque vous êtes en pension complète, matin, midi, soir, en restant sur votre lit, hein. C'est pas la peine de bouger. Vous restez sur votre lit et on va venir vous servir. Matin, midi, soir. Il y a des toilettes à côté, il y a des douches, etc. Bon, je vous préviens, les toilettes, vous allez voir qu'il va falloir beaucoup de patience. Parce qu'il peut, il arrive souvent que, surtout aux heures de prière, que devant une porte, j'ai bien dit une porte, j'ai pas dit devant un groupement de toilettes. J'ai dit porte devant, il y a un groupement de toilettes, d'accord? Imaginons, il y a 10 toilettes comme ça d'affilée, et bien devant une porte, il y a 15 personnes. Faites attention à ce que vous mangez. Boire, alhamdoulilah, vous suez tellement que vous n'avez pas trop, vous risquez de dire, d'envie d'aller aux toilettes. Mais faites très attention à ce que vous mangez. Et évitez de manger des choses que vous n'avez jamais eu l'habitude de manger. D'accord? Parfois, il y a des gens qui mangent des très épicés. Si tu manges quelque chose de très épicé et tu n'as pas l'habitude, pour moi, je ne pense pas que les 15 qui attendent devant la toilette, ils vont te laisser passer. Et ils vont te dire, nous aussi, c'est la même chose. Nous aussi, on a mal au ventre. On la connaît, celle-là. Donc faites attention. Mais ayez toujours de la patience. Et vous allez voir que la plupart des gens qui manquent d'impatience, ça sera au niveau des toilettes. Il y a des gens qui crient alors qu'ils sont en état d'ihram. C'est dommage, hein? Juste pour une histoire de toilette, juste parce qu'il patiente trop, il en a marre. C'est ça le hajj. Alhamdulillah. Donc là, le 8e jour de l'Hijja, on est à Mina. À Mina, on va passer la nuit. Le lendemain matin, Inch'Allah ta'ala, on va à Arafat. Arafat, c'est la journée la plus importante dans le Hajj. Le Hajj ou Arafat, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Hajj, c'est Arafat, pour montrer son importance. Donc là-bas, Inch'Allah ta'ala, alhamdulillah, depuis l'année dernière, grand temps climatisé avec des clims toutes neuves. Alhamdulillah. Alors que les années précédentes, ce n'était pas des clims climatisés, je vous promets que la chaleur, elle était atroce. Même si tu voulais faire une petite sieste, tu n'y arrivais pas tellement du sud. Donc là, Inch'Allah ta'ala, temps climatisé, on va faire ça à Dhuhr et l'Asr à l'heure de Dhuhr. Il y aura une khutba de notre frère Mohamed Senera, qui est un docteur, qui a un doctorat à l'université de Médine. Et là, Inch'Allah ta'ala, on va invoquer notre Seigneur jusqu'à Salat al-Maghrib. Une fois que le soleil sera couché, Inch'Allah ta'ala, selon un ordre chronologique défini par un tirage au sort, on va prendre notre lit. D'ailleurs, tous les déplacements, c'est comme ça. Il y a un tirage au sort, et après, il y a un ordre chronologique. Et donc, il faut attendre que telle et telle et telle agence soit à destination pour que ce soit notre tour. Ça, sachez-le pour que vous ne dites pas, ouais, mais regardez, tout le monde part et nous, on est encore dans l'entente. C'est normal. Mais alhamdoulilah, maintenant, vous le savez. Mais ça, ne vous inquiétez pas, on vous l'expliquera au fur et à mesure, Inch'Allah ta'ala. Au coucher du soleil, qu'est-ce qu'on fait? On va aller à Inch'Allah ta'ala à Muzdalifa. À Muzdalifa, on va dormir à la belle étoile. Pour Muzdalifa, il faut acheter un petit matelas. Vous savez les petits matelas de camping que l'on enroule comme ça?
On enroule, ça fait un gros rouleau comme ça, c'est en mousse. En règle générale, c'est de couleur grise. Ils en vendent à 5-10 euros à Decathlon. Cette mousse-là, elle va vous permettre de vous allonger et donc de ne pas être en contact avec le sol, qui est un petit peu rocailleux, un petit peu. Quand vous, avant ça, le jour d'avant, vous étiez à Médine, si vous voulez prendre avec vous une petite couverture au cas où, quand vous se séduit là, il y a un petit peu de vent, vous êtes frileux, aussi pour les femmes, pour éviter qu'elles s'allongent et que, on va dire que leurs habits, vous savez, en général, quand une femme s'allonge, ses habits, elles vont dessiner un peu ses formes. Ben, mettre un petit drap, une petite couverture pour par pudeur, on va dire ça, Charles, en terre. Donc une petite couverture, vous la prenez celle de mine, hein. C'est largement suffisant. À Mina, attention, le jour où vous allez à Mina, vous n'allez pas prendre votre bagage à soute. Hein. Vous n'allez pas prendre votre sac, vous allez prendre à peine un petit sac, chacun. Un petit sac avec les petits nécessaires. Chargeur du téléphone, je ne sais pas, peut-être une brosse à dents, des trucs comme ça. D'accord ? Ensuite, après avoir passé la nuit, une fois arrivé à Muzdalifa, on va faire le marabout des charges, on se repose, celui qui peut dormir, il dort. Ensuite, Inch'Allah, il y aura Salat al-Fajr. Après Salat al-Fajr, le bus, ils vont nous ramener de nouveau à nos tentes à Mina. Et là, le transport, c'est terminé. Maintenant, on va marcher. Donc, c'est le jour de l'Eid, le 10e jour de l'Hijja. On va marcher 4 km jusqu'à Al-Jamarat. Al-Jamarat, le jour de l'Eid, on ne fait que le grand. On ne fait pas le petit, on ne fait pas le moyen. On fait le grand. Une fois que vous aurez fait le grand, vous retournerez aux tentes. Parce que votre hôtel, le Hilton Suite, il est trop loin. Par rapport à Jamarat, il est à peu près à 4-5 km. Votre chef de groupe, lui, il retourne aux tentes. Après vous, si vous voulez quand même aller à l'hôtel Hilton Suite pour faire Tawaf et l'Ifada et le Sa'i, pour faire le Tawaf et le Sa'i, le parcours entre Safa et Marwa, et que votre chef de groupe vous le permet, mais ce sera de votre responsabilité. Et n'oubliez pas qu'il est obligé de passer au moins la moitié de la nuit à Mina. Donc ça va être difficile. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, faites le Jamarat et retournez aux tentes avec votre chef de groupe. Ne vous risquez pas à partir jusqu'à le Jour Haram à pied et revenir, vous allez voir cette. Vous allez marcher de tente Mina jusqu'à Jamarat, 4 km. Après de Jamarat jusqu'à Al-Haram, 5 km. Ça fait déjà 9. Donc le retour, 9 plus 9, 18. C'est énorme. Et en plus, il faut que vous calculiez, il faut que vous faites un calcul car il faut que vous soyez à l'intérieur de la limite de Mina avant la moitié de la nuit. Il faut vous passer au moins la moitié de la nuit là-bas. La moitié de la nuit, c'est facile à calculer. On prend l'heure de Maghreb, on prend l'heure de Fajr. On regarde combien d'heures, on divise par deux. D'accord ? Si jamais ça fait 5 heures, il faut que je passe au moins 5 heures à Mina. Si ça fait 3 heures, il faut que je passe au moins 3 heures à Mina. D'accord ? Et Mina, dès que vous avez passé le Jamarat al-Kubra, le grand, vous êtes à l'intérieur de Mina. D'accord ? Tout jusqu'à la fin, jusqu'à Muzdalifa. Ensuite, donc, vous allez retourner à vos tentes, Inch'Allah Ta'ala, pour passer la nuit. Bi'idhnillah. À partir du lendemain, il y a ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq. Les jours de Tashriq. Qu'est-ce qu'on fait les jours de Tashriq? Toujours la même chose. On va à Jamarat, on fait le petit, le moyen, le grand. Après ça, on va. Et ensuite, on revient aux tentes. Par contre, attention. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Depuis l'accident qu'il y a eu il y a 2 ans, il semble. Vous vous rappelez, à Mina, il y a des gens qui se sont marchés les uns sur les autres. Il y a eu un mouvement de foule et il y a eu plus de 3000 morts. C'était incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais c'était agile. Vous aviez une épaisseur d'être humain comme ça. Emmêlés les uns contre les autres. Les mouvements de foule, c'est quelque chose de très dangereux. Et on voit que parmi eux, il y avait des jeunes forts. Imaginez, ils étaient morts. Le mouvement de foule, ça ne pardonne pas. La pression, elle est énorme. Pour éviter, donc, une fois quand il y a un accident à chaque fois, on essaie d'en tirer des leçons. Par exemple, il y a X années, il y a eu un incendie à Mina, et bien ils ont décidé de mettre des tentes inflammables. D'accord ?
Il y a X années, il y a eu un. Avant Jamara, c'était très très dur, hein. C'était le rite le plus difficile. Il y avait juste un petit pont comme ça qui passait au-dessus pour permettre aux gens de jeter le Jamara au niveau du sol et au niveau du pont. Et donc, au niveau du pont, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Il y a eu un mouvement de foule, c'est-à-dire il y a des gens qui ont fait le Jamara, ils ont voulu retourner à Mina. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une pression. Une pression qui vient de l'est et une pression qui vient de l'ouest, du début du pont et de. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, au niveau des rebords du pont, il y avait des gens qui tombaient comme ça. Avec un verre qui déborde comme ça. Il y avait des gens qui tombaient, il y a eu, je ne sais plus, 200 et quelques morts, je ne sais plus comme ça. Et bien ça, ils l'ont rasé, ils ont fait ce que vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala, pendant votre rêve. Maintenant, Alhamdoulilah, Jamarat, c'est devenu l'un des rites les plus faciles. Franchement, Mach'Allah. En plus, c'est quelque chose d'ouvert et climatisé en même temps. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc, à chaque fois, chaque fois qu'il y a un grand accident, ils tirent des leçons, ils mettent des règles. Là, ils ont fait des règles. Ils ont dit maintenant, là, maintenant, ils mettent des règles. Ils ont dit maintenant, vous ne pouvez pas aller n'importe quand au Jamarat. Vous avez, pour chaque agence, ils vont nous donner des créneaux. Normalement, ce qui est légiféré, c'est d'ailleurs après ça, pour eux. Nous, par exemple, ils vont nous dire, vous, l'agence Tawaf, vous n'y allez pas avant 18h. Vous n'y allez pas avant 20h. Vous n'y allez pas avant telle heure. Et on n'a pas de revenir. Et je vous promets que si l'un d'entre vous se faufile dans les temps, sort, n'écoute pas son chef de groupe, et qu'il est contrôlé là-bas, le contrôle il est super simple. Hein. Ils ont un truc biométrique, ils vous mettez l'empreinte dessus, ils vous laissent partir. Ils voient un tel, ok, il est avec telle agence, normalement son créneau c'était 100 pas. Et là je vous promets que l'agence elle se fait allumer. Amende, et peut-être même que l'année d'après, on ne pourra pas organiser le Hajj. Donc il faut écouter votre chef de groupe. Il faut comprendre ces choses-là. Ces informations-là, je vous les donne pour que vous puissiez, ça va vous faciliter pour la patience. Parce que quand on est informé, on patiente. Quand on n'est pas informé, on ne comprend pas, c'est là qu'on perd la patience. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala. Une fois que le Hajj est terminé, votre chef de groupe, il va vous accompagner. Donc une fois que le Hajj sera terminé, excusez-moi, vous serez à Mina. Donc le 13e jour de Dhul-Hijja, le 3e jour de Tashrik, donc le 11, le 12 et le 13, vous jetez les pierres. Le 11e jour, le 12e jour, c'est obligatoire. Le 13e jour, il n'est pas obligatoire. Donc si quelqu'un est malade, n'arrive pas à supporter Mina, il peut partir à partir du 12e jour. Et celui qui veut faire la sunna, qui veut faire quelque chose de meilleur, eh bien, il est jusqu'au 13e. Une fois que le hajj est terminé, Inch'Allah Ta'ala, vous serez à Mina, un bus va venir vous chercher pour vous ramener au Hilton Suite. Une fois au Hilton Suite, Inch'Allah Ta'ala, là, profitez-en pour faire, avec votre chef de groupe, tawaf al-ifada et le sa'i. Pourquoi marcher 5 km ? Aller-retour. Après, vous allez revenir avec des ampoules, avec des fatigues, et peut-être même avec des insolations, parce que le soleil tape fort. Avec les poumons pollués, parce que c'est la Mecca, c'est une ville qui est polluée, il y a trop de circulation, il y a trop de bouchons. Choisissez la facilité. Le tawaf et le sa'i, vous avez jusqu'à la fin du mois de Dhul-Hijja pour le faire. Et bien, attendez la fin du Hajj. Vous êtes au Hilton Suite, tranquille, alhamdulillah. Prenez une bonne douche, reposez-vous, et avec votre chef de groupe, faites le tawaf et le sa'i, et là votre hajj sera terminé. Vous allez passer, je ne sais plus, une ou deux nuits. Il y a une chose qui est très importante qu'il faut que je vous explique. Vous avez vu pendant Ramadan, il y a ce qu'on appelle le jour du doute. D'accord? Mais tant que le mois n'est pas rentré, on ne sait pas si on est le premier ou pas de ce mois-là. Par exemple, pendant Ramadan, il faut attendre qu'on voit ou pas la lune. Pour savoir si c'est le premier jour de Ramadan ou pas. Dhul-Hijja, c'est la même chose. D'accord? Et bien, selon ce jour de doute, soit vous allez passer une nuit après le Hajj, je parle, soit vous allez passer une nuit au Hilton Suite, soit deux. Et donc, si vous passez deux nuits, il y aura un petit peu moins, une nuit en moins à midi. Ça, c'est quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Ça, il faut le savoir. Mais ça fera toujours une journée en plus à Mecca. Et à Mecca, alhamdoulilah, c'est là qu'on a les 100 000 hasanah.
La visite à Mecca, toujours pendant le Hajj, c'est quelque chose de très court. D'accord. Celui qui veut vraiment profiter de Médine, il y va pendant le Ramadan, dans les saisons, pendant l'année. Vous allez là-bas, vous restez 6 jours tranquille, ou là vous allez là-bas pendant le Ramadan, il y a des formules où on reste 10 jours. Alhamdulillah. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, dès que ça sera terminé, dès que ça sera le jour du départ, votre chef de groupe vous dira attention, il faut faire le tawaf d'adieu. Il y a un dernier tawaf à faire qu'on appelle tawaf al-wada. Donc vous faites le tawaf, il vous dira par exemple le bus il va venir à 22h, donc faites tawaf al-wada, je ne sais pas, après l'asad, ou après l'arab. C'est votre chef de groupe qui décidera. Il vous dira toutes ces informations-là, Inch'Allah Ta'ala. Une fois que vous avez fait le tawaf d'adieu, vous allez monter dans le bus, vous allez partir à Médine. À Médine, Inch'Allah Ta'ala, vous allez faire les visites légiférées, c'est-à-dire la mosquée de Quba en bus, hein, la mosquée de Quba plus le cimetière de Uhud, Inch'Allah Ta'ala. Et si vous avez le temps et qu'on peut l'organiser, on organisera une visite dans un musée du Coran. Autour de la mosquée du Prophète, il y a des musées, parmi eux, il y a le musée du Coran, il y a le musée des noms d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, il y a les musées de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a le musée des deux mosquées sacrées. D'accord. Donc si on a le temps, nous, inch'Allah, on essaiera d'organiser une visite au musée du Coran, qui est vraiment quelque chose de très bien, inch'Allah. Et ensuite, inch'Allah, votre guide va vous faire des réunions d'information durant lesquelles il va vous dire quand est-ce que c'est le départ, quand est-ce que vous descendez les bagages, est-ce que vous les mettez devant la porte seulement, ou est-ce que vous les descendez à l'accueil. Tous ces détails-là, je vous les épargne parce que vous allez les avoir là-bas, Inch'Allah Ta'ala. N'oubliez pas qu'il est très important, Inch'Allah Ta'ala, que vous ayez des téléphones portables avec des puces débloquées. D'accord, Inch'Allah Ta'ala? Avec des téléphones débloqués, excusez-moi, et là-bas, Inch'Allah Ta'ala, la priorité les premiers jours, ça va être d'acheter la puce. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, je pense que. Je vais juste vous donner quelques petits conseils très rapides pour que dans les chambres, Inch'Allah Ta'ala, il y ait des règles à respecter pour éviter tout problème. D'accord. Tout d'abord, là, Inch'Allah, je fais juste ça. Juste après qu'on soit écrit dessus, tout ça, Inch'Allah, ça revient au chef de groupe, tout ça. Même pour la Ramadan, Inch'Allah. Alors, dans vos chambres, respectez les règles suivantes pour éviter tout problème ou toute dispute avec ceux qui sont avec vous dans la chambre. Pour certains d'entre vous, vous allez être avec des personnes que vous ne connaissez pas, il faut vous mettre d'accord sur certains points. Parfois même, c'est des gens que vous connaissez. Et ils risquent d'avoir des problèmes. Parce que c'est en voyage qu'on connaît vraiment les personnes, ou en faisant du commerce avec eux. Donc voilà, sachez-le. Et il y a un certain comportement à avoir. On est en train de faire le hajj. Vous voyez ce que je veux dire? Patiente. Même si ton frère il a des défauts, etc., il ronfle, je ne sais pas quoi. Patiente, donne-lui le conseil, mettez-vous d'accord. Regardez, je vais vous donner des règles, mais idhnillah, on aura peut-être 1% de problème si tout le monde les met en pratique. Se mettre d'accord sur le réglage de l'activité. Si tout le monde veut l'éteindre, on l'éteint. Si tout le monde veut la mettre à fond, on la met à fond. Si tout le monde n'est pas d'accord, on se met d'accord sur les températures. Une température ambiante, comme cela a été conseillé par notre équipe médicale. 23 degrés, un truc comme ça, tranquille. D'accord? Parce qu'en règle générale, quand il y a des problèmes, c'est à cause de la clim. Deuxième chose qui peut avoir des mauvaises conséquences ou qui peut engranger des problèmes, ne pas manger dans vos chambres, sauf si vous êtes d'accord pour le faire. Manger, quand vous avez envie de manger, hein. Parce que normalement les repas ils sont remplis le matin et le soir. Mais si à midi tu as un creux et tu prends un menu emporté, le mieux c'est que tu le manges à l'accueil, voilà, de ton hôtel. Pour éviter de remplir ta poubelle de déchets qui vont faire des odeurs et pour éviter aussi de faire des odeurs. Et peut-être de gêner la personne qui est avec toi dans la chambre, qui n'est pas d'accord avec ça. Mettez-vous d'accord sur ça. On a le droit, on n'a pas le droit.
Il ne faut surtout jamais faire de bruit quand l'une des personnes est en train de dormir. Quelqu'un est en train de dormir, n'allume pas la lumière, utilise ton téléphone portable. Ouvre et ferme les portes tout doucement. Vous avez une chambre d'hôtel, en règle générale, les portes, on l'ouvre, on part, et ensuite elle se claque toute seule. Si quelqu'un est en train de dormir, ça va l'aimer. Ça, c'est des choses, c'est du bon sens. On accompagne la porte, on fait attention. On se dit, le frère est en train de dormir, je vais faire tout mon possible pour ne pas réveiller. Téléphone portable, en vibreur. Parce que si ton épouse t'appelle à ce moment-là, ou ta mère, ou quelqu'un qui est avec toi, eh bien, ça va arriver les frères qui sont dans la chambre. Parfois, il y a des gens qui ont du mal à dormir. Alors imaginez-vous quand ils dorment, au moment où ils dorment, ça fait même pas une demi-heure qu'ils dorment, toi tu réveilles avec quelque chose. Après, il ne va pas être en forme. Et s'il est en conflit, c'est vrai ou pas ? On va se remettre à conflit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et parfois, il y a des conflits à cause de ça. À cause du renflement, oh, il y a telle personne qui dort. Une fois, je suis arrivé dans une chambre, il y avait une femme âgée, c'était des femmes âgées. Ils m'ont dit, on a un problème dans notre chambre, il faut que tu me changes de chambre, etc. Je lui ai dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, il y a telle personne qui ronfle, et tellement qu'elle ronfle fort, je dors dans la salle de bain. T'es dans un hôtel 5 étoiles, Constantine, et tu dors dans la salle de bain. Et comment tu fais quand ils veulent aller dans la salle de bain ? Si quelqu'un veut aux toilettes à ce moment-là, il est en train de dormir. Non, c'est pas ça la solution. Moi, la solution que j'ai trouvée, que je conseille, c'est que chacun d'entre vous, il prend avec lui des bouquets. En mousse, pas en résine, et qui les enfonce bien au fond de ses oreilles. On ouvre la mâchoire comme ça. Moi, j'utilise tout le temps des bouquets. Je les utilise tout le temps. Parce que je ne veux pas qu'il y ait un bruit qui me réveille pendant que je suis en train de dormir. Tout simplement. J'habite dans un bâtiment, voilà, il y a des bruits, des portes, des trucs, il y a un train qui passe juste à côté de chez moi, ben, je ne veux pas me faire réveiller, je mets des bouquets. Et s'il y a quelqu'un qui ronfle à côté de vous, vous n'allez pas l'entendre une chose. Par contre, s'il ronfle très très fort, là. Vous utilisez la salle de bain ? Il y a un minimum avant de sortir. On tire la chasse. Il y a de l'eau par terre, on essuie. Vous avez ce que je veux dire ? Vous laissez la salle de bain comme vous aimeriez la trouver vous en rentrant. Le ménage n'est pas fait à chaque fois que quelqu'un rentre. Le service de ménage, même dans un hôtel 5 étoiles, il n'est pas fait à chaque fois que quelqu'un rentre dans les toilettes. Quand le ménage sera fait, là, les toilettes, elles seront belles. Des petites serviettes à droite, à gauche, bien pliées, tout ça, tout propre. Des dentifrices, des etc. Mais une fois qu'une ou deux personnes l'auraient utilisé, ben voilà. Si jamais ils ne font pas attention, ils vont la laisser dans un sale état. Et là, ça peut créer des conflits. Règle importante, mes chers frères, un homme ne devra jamais rentrer dans une chambre de femme. Je ne parle pas des chambres doubles. Chambre double, c'est normal que tu rentres. Tu es avec ton épouse, tranquille. Toi, tu es dans une chambre avec des hommes. Ta femme, elle est avec, ou ta fille, ou ta sœur, elle est avec votre sœur. Tu veux voir ta sœur, tu veux lui parler au téléphone. Tu veux la voir, tu l'appelles, elle sort de la chambre. Même s'il n'y a personne dans la chambre, tu ne rentres pas dans la chambre. Il est arrivé qu'une personne soit rentrée dans la chambre, mais la femme n'avait pas remarqué qu'il y avait une sœur dans la salle de bain. Vous avez compris ? Elle fait rentrer son mari, mais sans se rendre compte que dans la salle de bain, il y avait une femme qui dormait avec elle. Elle faisait sa douche. Elle est sortie avec une serviette. Et elle voit un homme. Vous imaginez ? Ça peut créer des gros conflits. On ne rentre jamais dans une chambre de femme. C'est à l'extérieur, les femmes. Elle se voit, elle sort. Au téléphone. Et vice-versa. Une femme aussi ne rentre jamais dans une chambre d'homme. D'accord ? Toutes ces choses-là, c'est tiré de l'expérience qu'on a eue en organisant le Hajj pour éviter que ça se fasse mal et pour faire en sorte que ça se fasse bien, inch'Allah. Voilà, je pense que toutes ces informations que je viens de vous donner sont suffisantes. Il y en a beaucoup déjà. Et Inch'Allah, l'élément principal, c'est de bien comprendre qu'il est très important d'écouter son chef de groupe.
d'obéir à son chef de rang, tout ça dans le terrain. D'accord ? D'aider, de partir aussi avec un esprit d'entraide. On n'est pas des touristes. Et quand vous voyez des personnes âgées, imaginez-vous ce sont vos parents. Et demandez-vous comment j'aimerais que les frères qui sont avec moi ou qui voyagent avec mes parents se comportent avec mes parents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on doit réagir. C'est un esprit d'entraide. On n'est pas là pour râler, parce que nous, c'est connu hein, en France, on dit que les Français sont des râleurs, en particulier quand ils font du tourisme. Ça ne doit pas faire partie de nos attributs, de nos caractéristiques à nous les musulmans, en particulier quand il s'agit d'un voyage d'adoration. Ce n'est pas un voyage touristique. C'est un voyage d'adoration, c'est une ibadah. Vous allez faire Al-Hajj. Allahu Akbar. Ça, c'est un voyage spécial, pendant lequel il faut avoir un comportement spécial. Le plus parfait possible, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, je vais laisser très rapidement, Inch'Allah Ta'ala, notre médecin principal de l'équipe Tawaf, faire son intervention, l'Ibida. Alors, je le présente, il est là aujourd'hui. Les autres jours, la semaine dernière, il n'a pas pu venir. C'est notre frère Romar qui travaille avec nous, Walidah Ibham, depuis un certain nombre d'années au sein de l'équipe. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Je me présente, je m'appelle Omar, je suis médecin avec Tawaf depuis quelques années. Walillahi alhamd, hadha bi fadlillah azza wa jalla min yadihi. Donc, moi, vous n'allez pas peut-être me voir beaucoup parce que moi je serai à Azizia avec les nouveaux sujets. Donc voilà, par contre, il y a certains conseils, Inch'Allah, que je vais vous donner. Premièrement, avant de partir, j'imagine que chacun parmi vous a un médecin traitant. Moi, je vous conseille de voir vos médecins. C'est vrai qu'ils n'aiment pas de prescrire des médicaments quand on n'est pas malade. Il faut leur expliquer et inciter que vous allez faire un voyage dans un pays différent que la France, quand on parle d'aide. Et donc de vous faire prescrire les médicaments que vous prenez d'habitude en cas d'infection bactérielle comme une grippe, comme une grippe infectée, comme en cas de beaucoup plus de pneumonie, enfin début de pneumonie ou de bronchite, tout ça. Donc vous faire prescrire l'amoxicilline comme antibiotique de base, ou de l'augmentin, ou ceux qui sont allergiques à ces antibiotiques, de faire prescrire l'antibiotique adapté à votre cas, parce qu'il y a certains qui sont malades et qui ont l'habitude de prendre d'autres médicaments spécifiques. De faire prescrire par la fréquence ces antibiotiques-là, je vous conseille l'amoxicilline et l'augmentin, et notamment le paracétamol. Vous prenez quelques médicaments que vous prenez pour la pneumologie d'habitude. Parce que nous, on n'a pas, bon, on va avoir des médicaments, mais on n'a pas beaucoup de médicaments. Et les médicaments en Arabie, c'est pas comme ici en France, c'est pas de la même nomenclature et c'est pas du tout le même effet comme ici en France. Donc je vous conseille de prendre des médicaments avec vous. Et les médicaments, mes chers frères et sœurs, concernant que vous prenez d'habitude pour les ceux qui sont malades, qui ont des maladies chroniques, que les médicaments, on prend les médicaments que l'ordonnance avec dans un sac dédié et dans l'avion. Ça s'est arrivé, bon, pas avec nous, mais avec d'autres compagnies où les gens arrivaient là-bas, ils n'ont pas leurs médicaments adaptés. Et du coup, ça a compliqué, ça a arrivé à des choses. Voilà. Donc je vous conseille d'avoir un sac dédié à des médicaments avec vous, avec l'ordonnance, et le sac soit avec vous dans l'avion, et jamais dans le bagage, parce qu'on peut perdre nos bagages. Ça, il faut jamais mettre le. Voilà, ne jamais préparer, parce qu'il y a certaines personnes âgées qui ont ont l'habitude en France de préparer une pilule. Il ne faut jamais préparer, il faut laisser les médicaments dans leur emballage d'origine, jamais préparer dans les pilules, et ça, vous n'aurez pas besoin. Parce qu'en cas de problème, on est obligé, on sera interpellé à donner. On ne sait pas ce que c'est les médicaments, en fait. Les médicaments dépiautés, ça peut. Il faut qu'on les mette dans la poubelle. Quoi. Autre chose, pour ceux qui ont besoin,
d'une chaise percée, d'une chaise plutôt roulante. Donc à voir pour ceux qui peuvent prendre en chaise pliante des îles en France, moi je vous le conseille. Sinon ceux qui vont acheter là-bas pour les personnes âgées, peut-être qu'ils peuvent faire des déplacements et tout ça, avoir toujours une chaîne de vous. Prenez une chaîne avec vous, des petites chaînes avec une cadenas, parce que là-bas, on peut avoir des. Vous pouvez avoir des surprises. Hein. Et donc et on peut avoir des vols et tout ça, donc il faut toujours avoir la chaise à côté de vous. Même dans les dents, comme ça vous allez l'accrocher. Et comme ça vous serez trompé dans les déplacements, vous aurez toujours votre chaise à côté de vous. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, commençons par la climatisation. C'est ça qui fait vraiment faire tomber les gens comme des mouches. Donc, faut essayer, comme il a dit le frère Mohamed, de s'entendre entre vous. Parce qu'il y a ceux qui supportent bien la clim, donc ils peuvent se battre la clim. Ceux qui supportent pas, donc soit ils se battent à côté, soit. En fait, de quoi ce qui fait mal, on a des îlettes là, parce que là, ils sont dirigés en bas, ça c'est mauvais. En fin de compte, moi je trouvais une petite astuce, c'est qu'on achète le scotch blanc, là, transparent. Et en fin de compte, moi je scotche les lunettes là, de telle sorte que l'air ne descend pas en bas. Ça se voit comme ça. Donc du coup, en bas, on sent une fraîcheur, mais on n'a pas l'air qui vient vers nous. Parce qu'on dort et quand on change de position, là, le chaud avec le froid, là c'est mortel, là. Ça c'est pas bon. Évitez de manger n'importe quoi, je fais un conseil que je vous donne, parce que les habitudes alimentaires en Arabie, c'est pas du tout comme ici en France, c'est différent, voilà. Il faut essayer de ne pas manger n'importe quoi à l'extérieur, surtout les sauces et les machins trucs. Donc ça, vous pouvez avoir des intoxications et tout ça, alors c'est pas le... le protège tous. Et donc voilà, essayez de ne pas manger, comme il a dit le frère tout à l'heure, c'est pas la période où on va essayer des choses qu'on n'a jamais mangé avant, donc faut éviter. Comme ça, pour ne pas, voilà. Je vous conseille de boire beaucoup et d'essayer de marcher dès maintenant, parce que là-bas, on va marcher beaucoup. Donc, je vous conseille d'essayer de marcher chaque jour régulièrement et d'essayer de s'hydrater et de boire beaucoup d'eau, parce que c'est pour éviter la déshydratation. Voilà. Un autre point. Pour les gens qui ont des maladies chroniques et qui ont des protocoles médicaux spécifiques, qu'ils aient avec eux, le protocole photographié, il faut toujours avoir le protocole, parce que si on va les accompagner là-bas à l'hôpital, du moment qu'on a plus d'informations, plus de protocoles, de comment il faut se comporter avec ces gens-là, donc ça va être rapide. Et les médecins sur place, ils auront le protocole, et comme ça, ils ne vont pas faire n'importe quoi avec vous. Pour les diabétiques, sachez très bien que l'insuline, une fois qu'on ouvre l'insuline, on n'a pas besoin d'un réfrigérateur. Généralement, les pèlerins, ils ont. Donc, normalement, vous savez ça, ils sont en France. Une fois l'insuline, on ouvre l'insuline, on la laisse à température ambiante, même s'il fait 45 degrés, ce n'est pas grave. Mais bon, juste pour le déplacement, la suite qui n'a pas été ouverte, pour le déplacement, il faut avoir des petits sacs ou des petites. Comment on appelle ça? Des petites. Je sais pas comment on appelle ça. Enfin, des petits sacs isothermes pour juste le déplacement. Et de toute façon, là-bas, on pourra toujours avoir un frigidaire pour mettre les choses qui doivent être ancrées. Mais si elle est ouverte, c'est pas la peine de. Et ceux qui ont des injections à faire sur place, apparemment il y a des femmes, donc l'infirmière, je dois faire peut-être qu'elle pourra vous le faire, mais il faut une ordonnance, parce qu'on n'a pas le droit de faire une injection si on n'a pas l'ordonnance. Et vous dites oui, mais j'ai l'habitude, mais vous avez l'habitude, mais nous, si on n'a pas l'ordonnance, moi je dis jamais à quelqu'un de faire une injection à quelqu'un d'autre s'il n'a pas Parce que vous savez très bien, donc on vit dans un monde très prosudéré. Balakoua Fekon, c'est pas n'importe qui fait n'importe quoi avec. Voilà. Même s'il y a des médecins dans le groupe, Balakoua Fekon, des fois, il y a même des spécialistes, je les envoie après elle, ils veulent du bien. Mais avant d'agir, avant de vous donner des conseils à quelqu'un d'autre, avant d'agir, il faut qu'il passe par moi. C'est question de responsabilité, parce que nous, on devait des comptes à des gens après. C'est un médecin, il va faire n'importe quoi, il va faire un truc, il va conseiller à un patient quelque chose, même s'il est spécialiste dans son domaine, il a une réponse sur le patient, moi je suis pas responsable, moi je vous le dis.
Il faut qu'il passe par moi, il faut que je sache. Bon, truc d'urgence, il va intervenir. Il y a une chute, il y a un truc. Ok, il n'y a pas de problème, mais les médecins, voilà, il y a un peu de sonnage, mais conscience. Mais de penser à des patients, parce que moi je suis là, je pense à un patient qui prend le traitement, il prend un antibiotique. Des fois, quand j'interviens, le dosage, c'est pas le même, il prend n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Comme on dit, l'antibiotique, c'est pas automatique. Vous ne prononcez jamais l'antibiotique de vous-même. Si vous voyez, bon, un truc d'habitude, voilà. Mais l'antibiotique, il faut toujours la médicale. D'ailleurs, même ici en France, il ne faut jamais prendre d'antibiotique parce que, voilà. Parce qu'on est infirmier, parce qu'on connaît, parce qu'on a notre frère, médecin, bon. Il ne faut jamais. Parce que vous savez, les antibiotiques, ça développe ce qu'on appelle des résistances. C'est-à-dire, si on prend l'antibiotique, et si on a une maladie qui ne nécessite pas d'antibiotique, enfin, le quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer une résistance. Et demain, quand on sera malade, quand on a besoin de ce médicament, cet antibiotique, notre corps ne va pas répondre. Et on sera obligé d'utiliser un antibiotique plus fort et donc d'autres complications. Voilà. Donc je vous conseille de passer par moi, c'est question de centraliser et que comme ça, on saura ce qu'on a fait pendant le Hajj, Inch'Allah, pour éviter. Notre souhait, c'est de vous passer tout simplement au Hajj, Inch'Allah, et qu'il n'y ait, Inch'Allah, pas d'incident, et de l'intérêt. Et comme Allah a dit, les salamari Hajj. Donc pour ceux qui sont malades, barakallahu fikoum, les déplacements pendant le Hajj, moi je vous conseille, le frère comme il a dit, le frère Mohamed, le Hajj c'est pas, on va pas là-bas pour pour découvrir la Hindi le Hajj, tout simplement. C'est-à-dire les déplacements qui ne sont pas dans les rites, moi je vous les conseille. Sincèrement, ça ne sert à rien du tout. Vous savez quoi, il n'y a rien à voir. C'est ça. Donc, si ces déplacements, ça dépend, les guides ils vous disent, et moi je dis ça parce qu'il y a un truc médical derrière. L'année passée, subhanallah, il y a des gens qui montent sur des montagnes, ils tombent. Après, ils disent médecin. Moi, je ne vais pas monter dans une. Moi, je vous dis. C'est pas la peine de faire les frères et sœurs, de faire des déplacements qui n'ont pas de. Voilà. Il faut écouter les guides parce qu'ils ont, une expérience. Alhamdulillah, on a des guides spirituels avec nous, donc ils vous conseillent. Donc, quand ils vous disent de rester dans les tentes, il faut rester dans les tentes parce qu'à l'extérieur, il n'y a rien à voir. Vaut mieux de rester dans les tentes comme ça. Vous allez bien se préparer, vous restez dans des conditions, vous faites votre dua et votre rite, et voilà. Parce que vous sortez à l'extérieur, vous risquez de tomber, et après vous passez le reste de l'hajj à l'hôpital, vous allez rater votre hajj. Et voilà. Et vous faites beaucoup de travail pour moi, pour rien, et voilà. Alors que d'autres ont besoin de moi. Comme on dit aussi, pour essayer de prévenir. Par exemple, quand vous serez dans une chambre, moi je vous conseille d'avoir des masques, vous savez, avec des masques en train de prendre la grippe pour éviter la contamination. Et ça fait. Il faut que ça soit, ça vient de nous. C'est-à-dire, si moi je ne me sens pas bien, j'ai mal dans la gorge, je commence à tousser. Ah, c'est pas la peine que les autres me disent de mettre un masque. Il faut aussi mettre un masque pour ne pas contaminer les autres. Et je pense que j'ai fait le tour. Et après, même si je ne serai pas avec vous, si vous avez besoin, donc vous pouvez. À travers votre chef de groupe, et le chef de groupe il va me contacter. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je serai à votre service, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste aussi, je vous dis de ne pas paniquer. Des fois, des gens ils exagèrent, et moi je ne dis pas pour moi, de toute façon, j'essaie de faire le maximum pour que ça se passe inchallah très bien. Mais voilà, ça peut arriver où les gens font monter 8 étages à pied, parce qu'on laisse les ascenseurs pour les femmes, en courant. Et moi je crois que la personne elle est par terre, en arrivant il est assis, il a mal au pied parce qu'il a acheté les sandales là-bas, qui coûtent même pas 1 €, ça lui fait mal au pied. Et ça je vous conseille, cher frère, surtout les diabétiques, vous savez, il faut toujours bien laver les pieds. Vous savez très bien les diabétiques, que quand on est diabétique, c'est-à-dire les petites lésions, ça ne guérisse pas rapidement. Et on risque d'avoir des gros problèmes derrière. Donc il faut toujours avoir des petites serviettes avec vous, parce que là-bas c'est très humide. Et à chaque fois que vous faites le dos, de bien sécher les pieds. Et quand vous appelez un médecin, il y a Inch'Allah, pour nous, vraiment besoin d'un médecin. C'est pas pour les vrais bénéficiaires et bouffologiques, voilà. Et ça va. Mais n'hésitez pas de toute façon à des conseils. Je serai Inch'Allah à votre service. Donc, Inch'Allah, maintenant je vous invite à prendre votre collation. Et là, comme je vous répète, pour les hommes, c'est ici à l'extérieur, sur la tente. Pour les femmes, c'est derrière. 10 minutes, Inch'Allah. Si on a le temps. De toute façon, le Hajj,
faut savoir que quand on va être là-bas, Inch'Allah Ta'ala, on expliquera au jour le jour. Parce que si on vous met l'ihkam de l'Umrah avec l'ihkam du Hajj, ça risque d'être trop lourd pour vous, Inch'Allah Ta'ala. Donc on va essayer de résumer déjà la Umrah, bien faire, parce que c'est la première chose que vous allez faire, et ensuite vous aurez le temps pour vous expliquer, Inch'Allah, le Hajj. Donc on commence, Inch'Allah Ta'ala. Alors, trois types de rites. Ça, c'est ce qu'on appelle al-manasik, manasik al-hajj. D'accord ? En arabe, on dit rite, hein, manasik ou manasik ou pluriel. Donc, il y a trois types de manasik, de rite pour le hajj. Il y a al-ifrat, il y a al-qiran, il y a al-tamattu'. Donc, vous avez mis en rouge le tamattu' parce que c'est celui-là que vous allez faire, Inch'Allah Ta'ala. C'est ce rite-là que vous allez faire. Al-Ifrat, ça, en général, il ne le faut pas. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est directement, il va à Mina, ensuite il fait le Tawaf, ensuite il fait. Et la différence, c'est le fait qu'il n'a pas de bête à sacrifier, etc. Al-Qiran, ça, il enchaîne le Umrah avec le Hajj. Ça, on en parlera, Inch'Allah Ta'ala. Ça peut exister dans certains cas pour les femmes, ça, on en parlera, Inch'Allah Ta'ala. Par contre, le tamattu', c'est ça que vous allez faire. Qu'est-ce que c'est le tamattu'? C'est une umrah que vous allez faire. Commencez par une umrah, c'est pour ça qu'on va expliquer la umrah. Et ensuite, une désacralisation. C'est-à-dire que vous allez vous habiller normalement, etc. Et ensuite, vous attendez le 8 de Dhul-Hijja pour repartir à Mina et faire le Hajj. Vous avez compris ? Halawa, le 8, et qu'on appelle le jour de Tawiyah. Le 8 de Dhul-Hijja, c'est Yom Tawiyah, c'est ce jour-là que les gens se dirigent vers le Hajj. Et là, ils remettent l'Ihram et ils partent, Inch'Allah Ta'ala, vers le Hajj. Donc, la première des choses qu'on va voir, c'est la Umrah. La Umrah. Pourquoi ? Parce que c'est la première étape de votre Hajj. Il y en a qui vont venir de Médine, d'accord ? Et il y en a qui vont venir de, directement par la Tahira, par l'avion, directement par Jeddah. Là, je suppose que c'est le groupe, bien sûr, c'est vous venez tous par Jeddah. Donc là, il va y avoir des ahkams qu'on va expliquer, Inch'Allah Ta'ala. Bon, le Miqat. Le Miqat, lors de l'arrivée au Miqat, il faut se laver le corps, se parfumer, revêtir l'habit de sacralisation, avoir l'intention ferme dans son cœur d'accomplir jusqu'au bout l'ensemble des rites et dire « Labbayk Allahumma Umrah ». Premièrement, est-ce que nous, on va s'arrêter à un miqat ? On va voir si vous avez compris. Non. On ne va pas s'arrêter à un miqat. Vous avez compris ? Nous, on ne va pas s'arrêter à un miqat. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est en Antalya, si je me souviens bien. Donc on va s'arrêter en Turquie. Et si je me souviens bien, il y a aussi l'heure suffisante pour pouvoir faire, hein, mettre le Ihram. Parce que... Hein, oui, Inch'Allah. Non, mais nous, on va expliquer ça, mais juste je dis que nous, on ne va pas s'arrêter à un miqat. Là, on ne va pas s'arrêter à un miqat directement. Pourquoi ? Parce que nous, on va être... Hein, on va être dans l'avion en ce moment-là. Le Miqat, c'est quoi ? Je vous l'explique quand même. C'est une station où normalement on doit s'arrêter pour la personne qui a la niya de faire le Hajj ou la Umrah. Vous avez compris ? C'est ça le Miqat. Le Miqat, pour les gens de Médine, c'est Dhul-Hulayfa. Il s'arrête à quelques kilomètres donc, de la sortie de la ville de Médine. Et ensuite, il y a une station, il se lave et il faut tout ce que vous voyez là. Sauf que vous, ça. Alors, en pratique, vous allez quand même vous préparer. Exemple, le ghusl, vous le faites avant. Vous ne le faites pas dès que vous arrivez en Turquie. Hein, ça, c'est en termes de logistique, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous laver là-bas. Ils n'ont pas de plus de douche. Donc, vous vous lavez avant, la veille, d'accord ? Hein, vous pouvez le chauffer, le matin, par exemple. Le parfum aussi, vous le parfumez, etc. Vous, la seule chose que vous allez faire là-bas, c'est quoi ? C'est vous déshabiller et mettre quoi ? L'habit de sacralisation. Vous avez compris ?
Ensuite, la quatrième chose qui est citée ici, ça vous allez la faire quand vous allez être dans l'avion. C'est-à-dire que vous allez dire « Labbayk Allahumma Umra ». Ça, quand est-ce qu'on va le dire? On va le dire, en général, on le dit 30 minutes ou 35 minutes à peu près avant l'arrivée à Jeddah. Par contre, là, je tiens à vous informer sur quelque chose de très important. Il faut savoir que faire la niya, ça, la niya, avoir l'intention, tout ça là, tout ce que vous avez vu là, tout ce que vous avez vu, ça c'est mustahab. Ça c'est mustahab, c'est-à-dire ça c'est recommandé. L'ibazat ihram, c'est wajib, il y en a qui disent na'am. Par contre, ça, le dernier, le quatrième là, la bayk Allahu Umra, c'est pas le mot, le fait, la phrase de dire la bayk Allahu Umra, c'est pas ça qui est obligatoire, plutôt ce qui est un repli, un pilier dans votre Umra, c'est pas ça. C'est l'intention ferme de accomplir cette Umra jusqu'au bout. Vous avez compris? Quand on dit jusqu'au bout, ça veut dire que si tu es freiné par quelque chose, il y a encore des ahkams qui vont rentrer dans ça, mais vous ne mettez pas ça dans la tête pour l'instant. Vous mettez dans votre tête qu'il faut accomplir la Umra du début jusqu'à sa fin. Vous avez compris? Parce qu'Allah dit Wa'atimu al-Hajj wal-Umrata billah. Il dit accomplissez la Umra et le Hajj pour Allah. L'accomplir, c'est-à-dire que tu dois le faire. Une fois que tu es rentré dedans, tu es obligé de le finir. Jusqu'à ce que si tu es empêché, par exemple, par quelque chose, tu devras sacrifier une bête. Mais ça, Inch'Allah, ça ne vous arrivera pas. Inch'Allah, ta'ala. Vous avez compris ça? Donc, c'est pour ça qu'il a bien dit d'accomplir jusqu'au bout l'ensemble des rites. Vous avez compris? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-ihram. Ce n'est pas le divas. Ce n'est pas l'habit que vous allez mettre. Ça, c'est le divas al-ihram. Vous avez compris? Mais la niya, le fait de rentrer dans le nusuk, dans le rite, hein, et de l'accomplir jusqu'au bout, c'est ça l'ihram. Alors, sachez une chose, et ça, je fais une parenthèse aussi qui est très importante, c'est que là, il y a trois choses qu'il faut faire. Si vous avez délaissé une de ces trois choses-là, votre umra, elle est batila. C'est-à-dire qu'elle est caduque, ça n'a rien. Elle est annulée, elle n'est pas valide du tout. La première, c'est l'ihram. L'ihram, on a dit, c'est le quatrième point là-dessus. C'est l'ihram. Tout le reste, hein, l'ihram. La deuxième, c'est quoi? C'est le tawaf. Et c'est le tour. Et la troisième, c'est quoi? C'est as-sa'i. C'est safa et marwa. Tout le reste, c'est soit mustahab, tout le reste, c'est soit mustahab, c'est-à-dire c'est recommandé de le faire, tu le fasses ou pas, c'est pas un problème, mais c'est mieux de le faire, bien sûr. Ou alors, carrément obligatoire. Mais une obligation, tu peux la réparer, mais pas un pilier. Là, ce que je vous ai dit, c'est des piliers. Donc, le premier pilier, c'est quoi? Ihram. Le deuxième? Tawaf. Le troisième? Sa'i. Le dernier. Donc, et la parole là, labbayk Allahumma Umra, ça, c'est quoi? Hein? Ça, c'est quoi? Ça, si tu l'oublies de le dire, mais que tu as mis la niya, elle n'est pas ta'awra ou pas? Oui, elle n'est pas. Parce qu'on a dit que l'ihram, c'est quoi? C'est la niya qui compte. Ah, ouais, parce que tout le monde, j'ai pas dit labbayk, khalas, non. Mais il faut le dire quand même, taïb. Et ensuite, il dit labbayk, vas-y, inshallah. Les interdits de l'ihram, ça c'est ce qu'on appelle le mahdourat al-ihram. Les interdits de l'ihram. Se raser la tête, même arracher ses cheveux, hein. Attention. Hein. Se raser la tête, se couper les cheveux ou la peau ou les ongles. Bon, la peau il y a un khilaf. Les ongles, attention les ongles. Il ne faut plus toucher à ses ongles, d'accord? Et il ne faut plus toucher aux cheveux de sa tête. Une règle que je vais donner, en général, avant les interdits de l'ihram, tous ceux qui commettent un interdit de l'ihram par ignorance, d'accord, ils ne savaient pas, par exemple, ou par négligence, par oubli, ou alors il le fait, il est en train de dormir, d'accord, tout cela, il n'a pas de sacrifice à faire. Par contre, celui qui commet un de ces choses-là,
de ces interdits-là. Et il en est conscient, et il le fait exprès, celui-là, il devra sacrifier une bête. Vous avez compris, Sacha? Vous avez compris? Donc, dans l'oubli, il n'y a pas de problème. Dans l'oubli, ce qu'il ressent. Mais dans la conscience, et en le faisant exprès, celui-là, il voit ça. Ce qui est interdit aussi, c'est de se parfumer. Alors bien sûr, on peut se parfumer avant, mais pas pendant le haram. Vous avez compris? Avant, tu peux te parfumer, mais pas pendant le haram. Ensuite, demander une femme en mariage, se marier ou marier une personne. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont interdites. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Fala rafaf wala fusura wala jidal fil hajj » Rafaf, ils ont dit, il ne faut pas de rafaf. Rafaf, c'est tout ce qui est autour du mariage, des relations, même parler de relations, ça c'est interdit. Hein, parler de mariage, etc. Et souvent, les gens ils se trompent, hein, souvent ils font l'erreur malheureusement de faire cette chose-là. D'accord ? Donc il ne faut pas parler de femmes, il ne faut pas parler de mariage, il ne faut pas parler de. Et c'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. Hein, hein. Ensuite, avoir des rapports sexuels ou les prémices. C'est pire encore. D'accord, ça, bien sûr, tu ne dois pas. Et des fois, malheureusement, il y a des gens, ils oublient ça. Il est avec sa femme, etc. Ça, il ne faut pas le faire. Ça, c'est partie de l'interdit de l'Ihram. Ensuite, pour les hommes, porter des vêtements qui épousent la forme du corps comme une chemise, un pantalon, des chaussettes, des chaussures. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle al-libas al-muhit, et pas al-muhit. Le mahrit, ça c'est bien de dire tout ce qui est cousu, ce n'est pas ça qui est voulu dans le hajj qui est interdit, non. Parce que même le ihram est cousu, c'est des fils. Hein, c'est pas ça qui est voulu. C'est celui qui épouse la forme d'un endroit, comme un gant, comme une chaussette, etc. Vous avez compris? Ça c'est interdit pour les hommes. C'est interdit pour les hommes. Faites attention les hommes, parce que souvent on a un problème tous les ans. C'est quoi? C'est ceux qui mettent les haram, et bien ils oublient d'enlever les... Hein, d'accord? Donc Inch'Allah ta'ala, il ne faut pas oublier ça. D'accord? S'il a oublié, qu'est-ce qu'on a dit là? C'est quoi? Hein? Il a un rêve ou pas? Non. S'il a oublié. Par contre, dès qu'il s'en souvient, hop, là il est... Ensuite, pour les hommes, se couvrir la tête avec quelque chose en contact direct avec la... Avec celle-ci comme un turban, un chapeau. Par contre, il est permis d'utiliser un parasol. Un parasol ou un parapluie, bien sûr, ça c'est permis. Alors on a vu quelque chose qui est adib, c'est une espèce de serre-tête comme ça, avec un truc comme ça, et avec un... Franchement, subhanallah, c'est quoi ces trucs-là? Et allez, t'as trouvé que ça, maître? En fait, ça fait un peu ridicule, je trouve. Voilà. Ça, tu le fais pas, tu le fais pas. Soit tu te couvres avec un parapluie, hein, soit tu mets rien sur ta tête. D'accord? Faites attention, parce que pourquoi on parle de ça? Parce qu'il fait soleil là-bas, le soleil tape. Hein? Et il ne faut pas se couvrir là, la tête. Pareil pour les hommes et pour les femmes sur ça. Allez, pour les hommes, hein, le turban, le chapeau, hein, les casquettes, tout ça. Pour les femmes, il est interdit de porter des gants. Et de se couvrir le visage avec un niqab. Ça, c'est interdit pour les femmes. D'accord? Et là, je fais une parenthèse sur quelque chose qui est important. Alors, il y a des femmes qui veulent quand même se couvrir le visage. Ils ne veulent pas que les hommes la voient. Elle a le droit de mettre un tissu sur son visage, d'accord? De sorte à ce qu'on ne la voit pas. Et elle met les épaules de la nourrice. Ça, il n'y a pas de mal. D'accord? Ça, il n'y a pas de mal. Mais, le char, c'est-à-dire notre religion, lui permet et surtout lui interdit de couvrir son visage avec un état. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que la semaine dernière, on me posait la question sur quoi? Sur les masques, hein? Masques chirurgicaux. Ce masque-là, mes frères, sachez une chose, c'est que pour les femmes, c'est interdit, formellement. Ça, j'ai regardé, j'ai révisé la question, ils ont dit que c'était formellement interdit pour les femmes. Et pour les hommes, il y a une divergence, il y a deux paroles au savant, mais le mieux c'est de pas le mettre, même pour les hommes. Bien sûr, vous allez dire dans le besoin. Dans le besoin, j'ai besoin de le mettre, j'ai peur d'être contaminé, etc., etc. Bon, pour l'homme, il y a une divergence. S'il le met dans le besoin, il y a une divergence. Il y a une divergence sur le fait que
est-ce qu'il a un mouton à sacrifier ou pas. D'accord? Parce que des fois, tu peux commettre un interdit de l'Ihram, mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé de le faire. Vous avez compris? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Allah Azza wa Jalla dit, celui qui est malade, hein, ou alors qui a un besoin, il a un mal au niveau de sa tête, etc. Celui-là, soit il fera un siyam, d'accord, un siyam, c'est-à-dire un jeûne, soit il sacrifiera, d'accord, une bête, ou alors il fera une aumône, ou alors il sacrifiera une bête. Donc, il peut le commettre, il peut le faire, mais il devra sacrifier une bête. Et bien, si c'est un homme qui met ce masque-là, les ulama ont divergé aussi, et beaucoup disent que s'il a mis pour un besoin, il n'a pas de bête à sacrifier. Par contre, la femme aussi. Vous avez compris? La femme, si elle le met, elle sacrifie. Vous avez compris? Donc, il faut éviter ce petit masque-là. Et alhamdoulilah, c'est pas très long, comme on l'a dit, le soukir. Allez, ensuite, porter, ça c'est permis, tout ce qui est permis, parce qu'on vient, on dit, est-ce qu'il est permis de faire ça, est-ce qu'il est permis de faire ça, nous, ça, ça a été résumé. La chasse, mais la chasse, on ne chasse plus depuis longtemps, regardez. Hein? Oui, c'est quand même important, mais il ne faut pas chasser. Hein? Surtout avec quoi vous allez chasser. C'est vrai que c'est une question, il ne faut pas en jouer. La chasse, c'est. Il y a des gens, ils pensent, ils voient une bête, ils vont les chasser. Hein? Ça existe. Voilà que. Ça y est, c'est Ahkam la question. Ils existent quasiment plus, en tout cas pour les. La chasse, en tout cas, c'est vrai qu'il a fait le rappel, il faut éviter de chasser. D'ailleurs, on va chasser avec quoi? Je ne pense pas qu'on pourra chasser de toute façon. Par contre, il est permis de porter une bague, une montre, des écouteurs, des lunettes, tout ça c'est permis. Tout ça c'est permis. Utiliser une quoi? Une ombrelle. Hein. C'est pareil que, voilà, ce qui donne de l'ombre. Allez. Ça, c'est permis. Ça c'est permis, c'est comme le parasol, c'est comme le... Porter une ceinture. Alors pourquoi ils nous disent une ceinture et un portefeuille, ou les petits sacs, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce problème de quoi? C'est cousu. Mais ça c'est une fausse idée que les gens se sont mis dans la tête. En fait, à la base des fuqaha, ils ont dit « lebs al-muhid ». Ils ont dit quoi? « Lebs al-muhid », l'habit qui englobe ou qui épouse une forme du corps, vous avez compris? Mais ils disent que le premier à avoir dit ça, c'est Ibrahim al-Nakhari, un grand faqih, un des shuyukh de Abu Hanifa. Et il y a eu un petit point qui s'est rajouté, l'abs al-mukhir. Vous avez compris? Et là, après, ça y est, les gens ont dit, attends, l'abs al-mukhir. Alors, tout ce qui est cousu, c'est interdit. Et subhanallah, regardez l'importance de apprendre avec des gens et s'asseoir et le livre, de prendre ton livre comme enseignant. Ça, c'est ce genre d'erreur qui peut arriver. D'ailleurs, petite anecdote hein, pour faire une petite anecdote. Il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam il dit Al-habbatu sawda shifa min kulli da. Il le sait. Le prophète a dit que la habba saouda, vous connaissez la habba saouda, la graine de Niger, est une guérison pour toutes les maladies. Sauf la mort. Sauf le sam, ils ont dit c'est quoi le sam? C'est la mort. Alors il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis deux points. Ça donnait quoi? Ça donnait al-hayyatu al-saouda. Et al-hayyatu al-saouda en arabe, c'est quoi? C'est la vipère noire. Donc comme quoi c'est une guérison pour tous les maux. Alors il a lu le hadith comme ça, et il pensait que les vipères c'était quoi? C'était une forme de guérison, vous avez compris? Donc ça, c'est un petit peu la même chose. Il faut se méfier de la lecture formelle et littérale des livres. Non, il faut se méfier de ça, Inch'Allah Ta'ala. Vous avez compris? Allez, donc, on revient sur ça, sur porter une ceinture, un portefeuille, etc.
se faire un montage, ça y a pas de mal également, hein, et se toucher. Se toucher, alors, à l'arrivée, la question avec le savon. Prenez du savon de Marseille, rase. Sortez de tous les rêves. Savon de Marseille, il n'y a pas d'odeur. Ou un savon, il n'y a pas d'odeur. Rase, alhamdoulilah, vous êtes sorti du rêve. Taïb, je vais expliquer, Taïb, se toucher, changer ses vêtements, ça aussi, vous avez le droit, vous avez même le droit d'avoir votre haram aussi. Taïb. Les mawaqid, tout à l'heure on a parlé, les mawaqid c'est le djam'a, le pluriel de miqat. Miqat, on en a parlé tout à l'heure. Et il y en a plusieurs. Donc, celui qui nous intéresse le plus, ici, c'est lequel? Dhul Hulayfa, à 450 km. Ça, c'est pour les gens qui viennent de Médine. Mais vous, comme vous allez arriver par Jeddah, ils vont vous prévenir avant. En général, ils préviennent avant. Hein, ils préviennent avant. Tout ça, c'est les mawaqid. Par exemple, pour ceux qui viennent de l'Irak, et eh bien ils vont prendre Dhat al-Irq. Pour ceux qui viennent de Dhul Hulayfa, de Médine, ils prendront Dhul Hulayfa. Pour ceux qui viennent du Sham, c'est-à-dire de la Syrie, tous ces pays-là, qui sont au nord de l'Arabie, ils prendront Al-Juhfa, qui est à 183 km. Pour ceux qui viennent du Yémen, ils prendront Yalanlam. Vous avez compris? Chaque pays a son miqat et sa station. Vous avez compris? Vous serez en l'air. Vous serez hein, dans l'avion. Ah oui. Le ihram, enfin la niya de l'ihram, même si vous la faites avant, c'est mieux. C'est pas la minute précise. Même si vous le faites avant, c'est mieux que de le faire quoi. Après, parce que quand vous le faites après, bah c'est haram. C'est interdit de le faire après. Donc vaut mieux le faire avant. Et c'est makruh de le faire avant. Ce n'est pas recommandé de le faire avant, mais c'est mieux ça que de le faire quand? Que de le faire après. C'est-à-dire, si on vous dit 30 minutes, bah, si tu l'as fait, on va dire, plus de 30 minutes, on va dire oui, c'est dans 30 minutes qu'il y est, toi tu le fais même avant ces 30 minutes-là, il n'y a pas de problème. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Pareil, parce que c'est très très court, par avion c'est très très court. Mais pas, très court. Alors, puis répéter le plus souvent possible. Le plus souvent possible, la talbiya tout au long du chemin jusqu'à l'arrivée de la Mecque. La Mecque, Allahumma la Mecque, la Mecque, la Sharika, la Mecque, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk, la Sharika. Ça, c'est la formule du pèlerin qui va répéter tout le temps. La Mecque, Allahumma la Mecque, la Mecque, la Sharika, la Mecque. Pour les hommes, hein, donc, ils le font à haute voix et ils élèvent la voix. Et pour les femmes, il ne faut pas les entendre. Il ne faut pas qu'on les entende. Elle a le droit de le faire, la femme, mais. Comment dirais-je, il ne faut pas que les hommes l'entendent, Inch'Allah Ta'ala. Vous avez compris ça? Taïb, ensuite. L'arrivée à la Mecque et l'entrée dans la mosquée sacrée. Taïb. Si possible, se laver avant d'entrer dans la ville. Ça, ce ne sera pas possible parce que vous serez dans le bus. D'accord? Mais vous avez déjà quoi? Un rousse qui est fait. Mais ça, c'est un rousse qui est en plus, qui est supplémentaire. Ça aussi, ça rentre dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que même pour celui qui voudrait le faire, il n'y a pas de mal à le faire. Vous avez compris? Mais vous n'allez pas le faire. En pratique, vous ne pourrez pas le faire. Entrer du pied droit dans la mosquée sacrée et dire Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa billahi al-azim wa jilati karim wa sultanihi al-qadim wa shaytan al-qadim Allahumma iftahli abwa al-rahmati. Comme vous faites dans chaque mosquée. D'accord? Il n'y a pas de différence. Avec cette mosquée-là, il n'y a pas de différence. À ce moment-là, on cesse de prononcer la talbiya pour débuter le tawaf autour de la Kaaba. Dès que tu vois le Kaaba, tu arrêtes la talbiya. Dès que tu vois le Kaaba, tu arrêtes quoi? La talbiya. Vous avez compris? Taïb. Et là, il y a une dua aussi à faire. Allahumma anta salam wa minka salam fa hayyina rabbana bis salam. Et ensuite, vous commencez à les 7 tours. En sachant qu'il y a certains savants qui disent que la talbiya, tu l'arrêtes où? Tu l'arrêtes dès que tu vois les premières habitations de Mecca. Donc c'est pas, et ça je l'ai dit la semaine dernière, c'est pas quelqu'un qui vient avec un livre, hein, où il n'y a pas la même chose, il n'y a pas le même avis, il y a une divergence entre les savants, et il vient et dit oui, ton hajj il est nul. Ça on a dit pas de fatwa. D'accord? Pas de fatwa entre les gens. Faites attention. Excusez-moi du terme, ne bousillez pas votre hajj à cause de ça, parce que ça c'est des sujets à quoi? C'est des sujets religieux, d'accord? Il faut éviter de parler, tu sais pas, classe, tu te tais,
Mais tu ne viens pas, tu prends un livre et tu dis c'est mon livre, c'est pas les autres. Vous avez compris ça? Ça, c'est très important, ça. Donc, il existe des khilaf, des divergences entre les savants, et il faut avoir un adab, un bon comportement à ce niveau-là. Quand on diverge sur une question, eh ben, soit on va aller voir le guide religieux, ou soit au minimum, on se tait. C'est le strict minimum. C'est tu te tais. Tu sais pas. Allah, d'accord. Ensuite, pour ce premier tawaf seulement, on découvrira son épaule droite en glissant la pisse sous son aisselle. Alors, les haram, bon, après on comptera, on fait les haram. En fait, c'est l'épaule droite qu'il faut qu'elle soit comment ? Découverte. L'épaule gauche, elle est couverte, d'accord ? Et la Kaaba, elle sera à votre gauche. Vous avez compris ? La Kaaba sera à votre gauche. Quand il dit ce premier tawaf, c'est-à-dire le tawaf de 7 tours, hein, d'accord ? Donc ça c'est le sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Alors vous voyez là au centre, on va regarder, on va monter tout en haut à gauche. Le point yéménite, ça s'appelle en arabe le rukn al-yamani. D'accord? Qu'est-ce qu'il est légiféré de faire à ce moment-là? Ben, on vient et on essuie comme ça avec sa main droite. On vient, on touche avec la main droite comme ça, le rukn yamani. On se rapproche, on le touche. Ça, c'est légiféré de le faire. C'est moustahab aussi, c'est recommandé de le faire. Ce n'est pas une obligation de le faire. Et encore moins celui qui le salue de loin. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui saluent le coin yéménite comme ça avec la main de loin. Ça n'existe pas. Vous avez compris? Ça, c'est pourquoi? C'est pour la pierre noire. Et non pas pour le coin yéménite. Donc, faites pas comme les gens, certains des gens, ils font ça. Et attention aussi au niveau du hajj, tu ne fais pas ce qu'ils font les gens. Toi, il y en a un, il fait ça comme ça. Ah, excusez-moi du bruit. Ah, il vient, il embrasse, il touche tel truc, et toi, tu fais la même chose que lui. Non, tu ne suis pas les gens, toi. Tu as appris, tu mets en pratique ce que tu as appris. Tu ne ramènes pas les choses comme ils font les gens. Moi, j'ai vu les gens, ils ont fait quelque chose, je l'ai fait. Non, faites attention à ça. D'accord? Voyez. Donc, et ça c'est pour tous les hakams du hajj. Hein. Ça c'est pour tous les hakams du hajj. Donc ça c'est le point yéménite. Hein. On a dit qu'est-ce qui était mashrou', qu'est-ce qui était légiféré de faire. Donc, bien sûr, c'est pas là qu'il commence le tour. Quand est-ce qu'il commence? Il commence au niveau de la pierre noire, qu'on appelle hajar al-aswad. D'ailleurs, pourquoi on le fait tasslim? Pourquoi on se donne le hajar noir? Pourquoi? Parce qu'il y a un professeur, il l'a fait, oui, mais aussi. Parce que Yom al-Qiyama, le jour de la résurrection, Allah il va lui donner une langue et il va parler, il va dire un tel il m'a passé le salam. Yishad alik. Il va témoigner que tu es venu à ce moment-là et que tu as fait le salam. Regardez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala même. Al-Hazrat Aswad Yishad alik Yom al-Qiyama. C'est pour ça qu'on le salue. Il y a plusieurs manières de le saluer. Soit tu le salues comme ça de loin, d'accord? Ou soit avec un objet, par exemple comme le professeur l'avait fait avec une canne, d'accord? Ou soit tu t'approches, ce qui est quasiment impossible, sauf si Allah est miftah alaykoum, c'est de l'embrasser. Et quand on dit soujoud à al-hajar, c'est pas soujoud, tu te mets par terre et tu fais soujoud. Là, ils l'ont compris comme ça, non? Soujoud, tu fais, tu l'embrasses et tu fais comme ça avec ta tête. Tu cognes ta tête comme ça, tu fais. Comme ça, tu l'embrasses et tu cognes ta tête. Vous avez compris? C'est ça le soujoud. Quand on dit qu'on se prosterne devant la pierre noire, c'est que ton visage qui se prosterne, c'est pas tout ton corps. Donc voilà les différentes manières de saluer la pierre noire. Donc on commence au niveau de la pierre noire. Ensuite, vous voyez qu'entre les deux là, il y a ce qu'on appelle le multazen. Entre la pierre noire et la porte. Ça, c'est un endroit qui s'appelle le multazen. Peut-être qu'on verra plus tard. D'accord? Ça, c'est une zone là aussi de se coller à cet endroit-là. D'accord? Se coller, coller son corps, etc. Ou alors sur toute la Kaaba aussi. D'accord? Ça, on verra que ça va plus tard. Donc, on commence le tour ici. Un tour, c'est quoi? Un tour, il commence là, il écrit 1, et ensuite, vous voyez le rond là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est un tour. Pourquoi il vous a fait ça et il n'a pas fait passer par un petit couloir à la fin? C'est un raccourci de quoi? Pourquoi il ne vous a pas? Alors, c'est. Hein? Parce que ça fait partie de la Kaaba. Ça fait partie de la Kaaba. Vous avez compris? En vérité, la Kaaba va jusqu'au bout. Mais ne jamais faire l'erreur de passer par ce couloir-là et dire oui, je vais arriver plus vite que les autres. Ben non, là, tu n'as pas fait ton tour.
Parce que là, c'est comme si tu étais rentré dans le caravane, sorti de l'autre côté. Vous avez compris? Taïe. Et voilà, donc il y a 7 tours à faire. Ensuite, vous allez voir, la station d'Ibrahim, c'est juste à côté. Et c'était vraiment le Khattab qui l'a fait reculer, alors qu'au départ, elle était bien coulée vers la Kaaba pour monter bien sûr les pierres. Et c'était Sidna Ismaïl avec Ibrahim salam, qui ont monté donc la Kaaba, comme vous savez tous. Le tawaf, 7 tours. La personne commence à la pierre noire et termine à la pierre noire. Taïe. C'est très important de savoir ça. D'accord ? Donc la pierre noire, elle mettra à votre gauche et vous, vous faites 7 tours comme ça. Si tu t'es arrêté avant, tu n'as pas fait tes 7 tours. Et si tu n'as pas fait tes 7 tours, on a dit que le tawaf, c'est un rukn. Donc il n'est pas terminé, ta noire, elle n'est pas terminée. Donc faites très attention à ça. Donc voilà, après. Salue la pierre noire. Le tawaf commence en saluant la pierre noire par sa main. En l'embrassant en disant Bismillah Wallahu Akbar. D'accord ? Tu peux dire Bismillah Wallahu Akbar. Et il dit, et si on ne peut approcher la pierre noire, on salue au loin, comme je vous l'ai dit ça tout à l'heure. Hein? Et on salue en direction donc de la pierre noire. Et on dit Bismillah Wallahu Akbar. Ensuite, à chaque tour, donc ça, le premier, lorsque vous entamez le tawaf, vous dites Bismillah Wallahu Akbar. D'accord ? Mais après, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites juste Allahu Akbar, voilà. Taïb ? Et au nom d'Allah, je débute ce tawaf, je débute ce tawaf, bismillah, il y a un tawaf, je ne connais pas. On répète Allahu Akbar à chaque fois. Hein ? À chaque fois, au bout d'un tour, on répète Allahu Akbar quand on arrive à la pyramide. Oui, à chaque tour, lorsque vous arrivez, reprenez-moi, n'hésitez pas. À chaque tour, quand on arrive à la pierre noire, on dit quoi ? Allah Akbar. Mais on ne dit pas Bismillah, c'est que la première fois. Par contre, si vous ne le dites pas, c'est grave ou pas ? Vous avez un dame ou pas ? Non. Ça, pourquoi que c'est ? Sunnah, c'est mustahab. Vous avez compris ça ? Si vous ne dites rien pendant tout le tawaf, il est bon. Oui, il est bon. C'est quoi qu'il veut faire ? C'est le dua, c'est le mieux. Vous avez le droit de discuter ? Vous avez le droit de discuter ? Si, vous avez le droit de discuter. Allez, ouais, c'est permis de discuter pendant le tawaf. Mais le mieux, c'est de faire quoi ? Dua. Vous avez le droit de lire le Coran ? Oui, mais le mieux, c'est de faire dua. Ah, France. Ensuite, on doit accomplir 7 tours autour de la Kaaba. Chaque tour débutant et prenant fin au niveau de la Kaaba, sans l'expliquer. Pour les 3 premiers tours du premier tawaf, ça c'est ce qu'on appelle le tawaf al-qadum. Pour les 3 premiers tours du premier tawaf, que l'on effectue à la Mecque, on accélère la marche. Bon. Ça c'est une sunna. Ça c'est une sunna. D'accord ? Si le mataf, l'endroit où on fait le tawaf, il est vide, il n'y a pas de problème. Il va être vide ou pas ? Ah ben non, donc tu vas faire quoi ? Tu vas marcher. Donc il y a la théorie, il y a la pratique. En pratique, tu ne prends pas. D'accord ? Hein ? Alors, en haut, bah, va faire. Moi, ça va, en haut, c'est long, en haut. Hein. Ah, c'est le double, voire le triple. Hein du... non. Donc, en pratique, ça, on ne fait pas. Ça, en pratique, on ne fait pas. Maintenant, celui qui va accélérer le pas et veut le faire quand il est dans un endroit hors saison, tout seul, etc. Ou alors des tipas, mais en trottinant. Le 2, ensuite, pour les 4 tours restants, on marche pendant le mois. Ça, c'est pareil, c'est une sunna. Ça aussi, c'est pareil, c'est une sunna. Si tu marches, ça suffit. En passant devant l'angle yéménite, qui est le point précédent, ça vous l'a dit, et il dit Bismillah, Allahu Akbar. D'accord ? Et si on peut le toucher, on passe sans rien dire. Alors là, il dit qu'il faut que tu peux le saluer devant, ça qui vient. Hein ? En passant devant l'angle de la minute, qui est le point hein, où on le touche de la main et on dit Bismillah Allahu Akbar. Non, il dit on le touche. D'accord ? Puis ça, c'est plus le touche. Bismillah Allahu Akbar. Allez. Et si on peut le toucher, on passe sans rien dire. Donc, comme on l'a dit, d'accord ? S'il passe, il ne dit rien du tout et il ne le salue pas. D'accord ? Ensuite, il dit en marchant de l'angle yéménite vers la pierre noire, là il y a une dua à faire. C'est quoi ? Rabbana, atina fid dunya hasana wa qina adhaban nar.
ça, comme il a vu, hein, entre le coin humide et la pierre noire. Hop, hop. Et tu répètes ça. Ensuite, hein, après avoir terminé le tawaf, se rendre à la station d'Ibrahim et réciter « Wattakhidou min maqam Ibrahim wa musalla ». Alors, il va y avoir plusieurs cas. Soit tu pourras te mettre derrière la station d'Ibrahim, d'accord ? Ou soit ça ne va pas être possible, mais tu pourras te mettre à ce moment-là n'importe où, à droite ou à gauche de la station d'Ibrahim. Mais même dans toute la mosquée. S'il n'y a plus de place, c'est bondé, tu as le droit de te mettre dans un endroit. Et tu dis « Wattakhidou min maqam Ibrahim wa musalla ». Et ensuite, tu dis « Allahu Akbar », tu fais quoi ? Tu fais deux rak'at. Ces deux rak'at, qu'est-ce qu'on récite dedans ? On récite le Fatiha, hein, et « Uliya ayyuha al-kafirun », et dans l'autre rak'at, on récite le Fatiha et « Qul huwa Allahu ahad ». Alors, « At-tawaf rak'atayn idan maqam, Allahu Akbar ». Bon, il y a une sunnah là, qui se fait aussi, celle-là, c'est dans la pratique, elle est difficile. C'est dès que tu as terminé ce qu'on vient de dire, tu reviens à la pierre noire, mais tu ne la salues pas de loin. Là, par contre, il faut que tu ailles jusqu'à la pierre noire et que tu la salues. Ça, c'est une sunna pour faire la naissance. Mais en pratique, ça fonctionne. Sinon, tu vas peut-être annuler ta roma ou la tombe. La pierre noire, et quoi, vous allez voir des choses, là, c'est la bagarre, hein, malheureusement. Mais, subhanallah, malgré que c'est la bagarre, ils se prennent des coups, tout ça, tu les vois, ils sont sûrs, hein, voilà, ils ne veulent pas se lever. Yéjouz, c'est permis, les sahabas, ils se bousculaient aussi. Mais ils se bousculaient sans commettre des dégâts. Le problème, c'est que celui-là, il vient de je ne sais pas quelle bête, Hada, il vient de je ne sais pas quelle bête, ils n'ont pas les mêmes mœurs, ils n'ont pas les mêmes notions de bousculade. Hein? Si c'est un russe, ou je ne sais pas c'est quoi, ou un afghan, ou un tchétchène, lui, pour lui, le bousculade, c'est pas comme toi. Tu vois, il faut bien comprendre ça. Vous voyez ? Donc, cette sunna, malheureusement, hein, celui qui peut la faire, il la fait. Et ensuite, il faudra se diriger vers Zemzem. Et boire Zemzem, inshallah. Les questions, tu veux les avoir ? Ouais. Continue. Allez, voilà. Donc, on arrive ensuite, quand on a terminé, un tawaf, on va où ? On se dirige vers Safa et Marwa. Après avoir salué la pierre noire, on se rend. C'est pour ça que vous avez dit, après avoir salué la pierre noire, c'est cette sunna qui est faite. Il reste combien ? 10. En s'approchant du mot, on récite la parole. Inna Safa wal Marwa min sha'a'irillah, faman hajja al-bayt aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun 'alim. Ça, c'est le verset. Tu le dis que à ce moment-là, ce verset-là. Que à ce moment-là. Quand tu commences à Safa. Comment que ça se passe ? Safa, c'est là. On va dire c'est là, Safa. Et ensuite, vous avez Marwa. D'accord ? Les tours, comment ça se passe ? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu commences à Safa et tu termines où ? À Marwa. Et c'est 7 tours. C'est pas un tour, c'est 1, 2, 3. Non, on ne peut pas comprendre ça. Comme ça, il y a certains savants qui ont dit ça, mais ils n'ont pas fait le Hajj. Enfin, c'est vrai, il a écrit un livre sur le Hajj, je dirais pas son nom, ça arrive. Il a donc fait un livre sur le Hajj et il a dit que Safa et Marwa, c'était carrément un aller-retour. Vous imaginez, c'est-à-dire que c'est le double. Et vous verrez que Safa et Marwa, c'est quelque chose de pas facile, surtout après avoir fait cette tour de temps. Donc, à ce moment-là, ça, c'est une sunna de dire, de réciter ce verset-là. Et ensuite, il dit. Abda'u bima bada Allahu bihi. Et ensuite tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdahu, anjaza wa'adahu, wa nasara 'abdahu, wa hazama ahzaba wahdahu. À ce moment-là, il s'arrête. À ce moment-là, il s'arrête et il fait du'a. Et il lève les mains, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il s'arrête. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أجز وحده ونصر عبده يغفر سبيك الله يغلب إمام دونك لا إله إلا الله من فوق إمام دو فوا أنسويت يساعد يدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له جوست على فين يخلص لا يغفر بعد دونك إلا في 3 فوا الذكر و 2 فوا
de la rentre, c'est ça qui est. T'as compris? Et ensuite, Yemji, il marche. Hein? Ça, il le fait à sa, le 2, un petit 2, ça, il le fait à sa part et il le fait aussi à Marwa. Mais le premier, non. Le premier, il le fait que quand il arrive à sa part et qu'il commence son série. Vous avez compris? Allez, vas-y, continue. Ensuite, on parcourt 7 fois la distance entre les deux mots afin de terminer sur le mot Marwa. Durant le parcours, il faut multiplier les formules de rappel et les invocations. C'est-à-dire que tu fais des deux A. D'accord? Même si tu n'as pas réussi à les faire et qu'il y a beaucoup de monde, etc. Et quand tu marches, tu fais deux A. D'accord? Tu fais deux A. Puis on marche. Ensuite, il y a une course hein, qui se fait entre les deux lumières vertes. Vous allez les voir. Deux lumières vertes qui commencent et qui terminent. On les voit ici un petit peu. Bon, c'est plus trop comme ça hein, dans la photo qui est en bas. Maintenant, ils ont changé un petit peu. Mais à Goulehel, la course, c'est légiféré pour les hommes et pas pour les femmes. Pour les hommes, donc, ils vont courir. Ils vont courir à ce moment-là. Ils vont courir jusqu'à, du début de la lumière verte jusqu'à la fin. Et même à ce moment-là, ils vont continuer à faire de A. Puis on gravit, on répète cela à chaque parcours, puis on gravit le mot Marwa. En disant Allah, 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 ce qu'on vient de nous dire, Inch'Allah. Vous avez compris? La même chose, on répète la même chose. Dès qu'on arrive à Marwa, on répète la même chose. On aura fait un tour, ensuite on revient, même au retour, on court, d'accord? Chaque aller-retour, on court, les hommes. Et les femmes ne courent pas. Allez, ensuite, comme ça, c'est clair. Ensuite, dès qu'on a terminé, dès que vous avez terminé, dès que vous avez terminé Saïd, votre voilà est terminé. Mais, il reste des obligations à faire. C'est quoi ces obligations-là qui ne rentrent pas dans les piliers de l'arbre? C'est ça. L'homme, soit au minimum, il se coupe les cheveux, mais l'ensemble des cheveux. Ça veut dire quoi? C'est pas il prend 2-3 mèches ici, 2-3 mèches ici, puis dire ah là, c'est bon. Non, il faut vraiment qu'on sente le quoi que tu t'es coupé les cheveux. Coup de tondeuse ou quelque chose pour voir que tu t'es vraiment coupé les cheveux. Vous voyez? Ça, c'est le minimum. Le maximum, il se rase la tête. Et c'est meilleur de se raser la tête. Pourquoi? Parce que le professeur Sallam, il a fait 3 fois de l'arbre pour ceux qui se rasent la tête. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Alors pourquoi les gens disent pourquoi on se rase la tête, etc. Parce qu'en fait, les cheveux, c'est quelque chose de précieux. Des fois, pour certaines personnes, ils aiment leurs cheveux, surtout ceux qui hein, les coiffent, les entretiennent bien. Et là, tu es en train de raser ces cheveux-là, hein, tu es en train de enlever entre guillemets cette beauté-là, pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Donc, plus tu fais un sacrifice grand comme le fait de les raser, hein, une boule à zéro, là, hein, plus tu fais ce sacrifice-là, plus tu as du ajr, plus tu as la récompense. Vous voyez? Et le dernier aussi, celui qui coupe ses cheveux aussi, il a la récompense, mais moins bien que celui qui se la rase. Pour les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent tous leurs cheveux, d'accord? Elles font une seule mèche, c'est-à-dire une seule nappe, et ensuite elles prennent l'équivalent d'une phalange. D'accord? Elles prennent par exemple ses cheveux comme ça, et elles prennent l'équivalent d'une phalange et elles coupent. Et pour elle, ça sera terminé là. Hein. D'accord? Et ainsi. Et que je rentre à l'hôtel, parce qu'il y a des femmes qui le font sur place. Oui, il y en a qui le font sur place, etc. Le plus, ils les attendent quand même le faire à l'hôtel, les femmes. D'accord? Après, pour les hommes qui ont une tondeuse et qui veulent le faire aussi à l'hôtel parce qu'ils sont fatigués, il n'y a pas de mal non plus. D'accord? Mais la sunna du prophète, à l'Islam, c'est quand même mieux hein, de le faire surtout et de se raser, et puis après, de le faire pour ça. Et ainsi, et terminer votre Umrah. Dès que vous avez terminé votre Umrah, vous pouvez faire une douche, vous rhabiller, désacraliser complètement. D'accord? Vous désacralisez complètement et ensuite remettre du parfum, refaire votre vie totalement comme tout ce qui était interdit vous est devenu permis. Ensuite, le 8. Bah, ça dépend comment il pousse les cheveux, ça, c'est un terme technique. Ça. Hein, si ses cheveux ils poussent vite, la base, il se rase la tête, d'accord? 2-3 jours en général, le crâne noirci de cheveux, donc c'est bien, comme ça, c'est mieux que tu aies deux fois la récompense de la dua du prophète alayhi salatu wassalam plutôt qu'une fois, c'est pas au fond. Hein. Mais par contre, si tes cheveux ils poussent pas du tout, hein, parce qu'ils vont passer sur quelque chose et rien du tout. Hein. Ils vont passer le mousse comme ça. Et ils vont passer le mousse hein, en plus. C'est ça le bien.
D'accord, donc Inch'Allah, ça c'est chacun sa chevelure, on va dire ça comme ça. Vous voyez ? Mais normalement, c'est vrai qu'il y a le temps, on va dire, il y a le temps que ça repousse. Et le 8 de Dhul-Hijjah, donc on se dit le Raja, vers le Hajj. Alors, pour le Hajj, Inch'Allah, on va le faire sur place. Inch'Allah, on expliquera les rites point par point. Le 8, donc vous arrivez à Mina, globalement, on va dire, le 8, vous arrivez à Mina, vous faites la salat. Donc vous êtes d'abord. D'abord, vous faites l'ihram, vous dites l'abbayk al-hajja, vous remettez l'ihram comme vous l'avez remis au début, et ensuite vous vous dirigez donc vers Mina. Hein. Une fois que vous arrivez à Mina, vous faites les salawat al-khams, toutes les salats que vous faites, 4 rak'at, elles vont se transformer en 2 rak'at. D'accord ? Et ensuite, le lendemain, c'est le 9, c'est Arafat. Arafat, vous partez dès le matin, vous partez, vous arrivez à peu près au dhuhr. Au dhuhr, vous faites le dhuhr et le asr avec un adhan et deux iqama, d'accord. Et pareil, vous les faites, vous les raccourcissez en deux rak'at au lieu de quatre. Et ensuite, vous faites du'a jusqu'au maghrib. D'accord. Vous écoutez la khutba, etc. Et ensuite, vous faites du'a jusqu'au maghrib. Après, au maghrib, on se dirigera, inshallah, ta'ala, de là-bas, à Muzdalifa. À Muzdalifa, pareil, maghrib et isha. On s'en est là-bas, sur place de isha, deux rak'at. D'accord. Ensuite, on dort, on se repose. Et ensuite, Inch'Allah ta'ala, le lendemain matin, on se réveille, on fait le fajr, on fait le dhikr, jusqu'à ce que le soleil se lève. On fait le dua aussi, parce qu'Allah a dit « Fa'idha afaqtum min arafat, fadhkurullah 'inda mash'ar al-haram ». Le mash'ar al-haram, c'est Muzdalifa. Donc on fait le dhikr aussi à ce moment-là. Ensuite, on avance vers où ? Vers Mina. Après, à partir de Mina, on fait le 10, c'est-à-dire on fera les jamarat, jamarat al-kubra, d'accord ? Les premières jamarat. 7 pierres donc ajoutées ce jour-là. Le tawaf, le sa'i pour les meilleurs. D'accord ? Ça c'est la logistique, nous vous dirons comment ça se passera, etc. Le tawaf, le sa'i, et il rentre avant la moitié de la nuit à Mina et il dort à Mina. Et ensuite, les jours qui viendront, on vous expliquera dans les temps qu'est-ce qu'il faudra. Mais au moins d'avoir une bonne notion, ces choses-là. D'accord. Les hommes, c'est ça. Conseil. Donnez des conseils. Quoi. La vaseline, sur les poings, là, ici. Vous comprenez ? Au niveau des adducteurs, vous mettez la vaseline. C'est mieux. D'accord. Ensuite, prenez donc une torche comme ça. Et vous la fermez comme une serviette. Mais vous écartez un peu les jambes. Parce que si vous le faites serrer, vous allez marcher comme ça. Vous rigolez, mais il y en a, ça pas de mettre. Hein. D'accord. Ensuite, voilà. C'est bon. Voilà, c'est ça. Par contre, moi, le conseil aussi que je donne, c'est qu'on sert bien ici. Vous avez le droit de mettre une ceinture comme on a dit. D'accord. Hein. Quand ça tombe trop. Franchement, pour que ça tombe, vous y allez. Les bousculades, ça, non, ça fait pas. Vous avez le droit même de mettre des épingles de la maison, hein. Pas de mal, mais c'est comme ça. Non, si tu te sers bien ici, c'est comme ça. C'est calculer pour. Et ensuite, ça, là, ça c'est le Veda. Ça c'est le Veda, en bas, comme ça. Ça c'est le Veda. D'accord. D'accord, ça c'est le Veda. Vous le gardez comme ça. Quand vous arrivez au travail, comment vous faites ? Hop, vous rentrez comme ça. Bien en couleur.